Salut à tous, c'est Destroyer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de GTA Online pour découvrir cette nouvelle mise à jour, le Crime Pay partie 2. Alors elle tombe plutôt assez rapidement par rapport à que l'ancienne était tombée je sais plus quand là, et celle-là est tombée quasiment peut-être un mois ou deux après. Attendez, est-ce qu'elle tombe super longtemps, donc beaucoup de nouveautés apparemment des voitures. On va regarder ça, on va essayer de faire les courses pour voir un peu les nouveaux véhicules. Marché, Excellia Travel. Est-ce qu'on a de la nouveauté? Je ne crois pas. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas vu la GTA. What the heck? Quoi ça? Ça c'est nouveau. Oh, ça c'est nouveau. Quoi? Non. Pas 2 200 000 là, faut arrêter les conneries là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? 2 200 000? Mais c'est quoi ce bordel là? Vous vous foutez de la gueule du monde là, Rockstar là. Et 4 800 chevaux pour ça. 2 millions. Et après, tu rajoutes au moins 500 000 dollars d'amélioration. C'est vraiment... 715 000 dollars. C'est ça, vous allez vous faire foutre. Alors, vous avez toujours voulu faire un rallye. Vous allez dire, mais vous avez trouvé des 4x4 qui nous donnent suffisamment l'air d'un connard Lanzas. Ne cherchez plus. La brawler. C'est extrêmement énervant. 715 000 $ quoi. Vous foutez de la gueule. Ah! C'est nouveau ça aussi. 695 000 $, c'est pas original ça. Corvette C1 en gros, c'est ça. C'est ça, coquette. Blackfin, donc c'est bien une Corvette. Donc ça, c'est une Corvette C1, je crois. Ah, l'Amérique, vous avez 5 ans. On identifie facilement le moment où la théorie psychosexuelle freudienne a rencontré la conception de théorie résultant d'un mariage et plus glorieux. Cette coquette ne pourra pas être plus phallique. Ouais, c'est un peu ça. Donc si on vous rapproche les deux ballons. De la plage, elles sont traditionnelles, bien sûr, sortez la jaquette. Eh ben, c'est mieux en mieux dans la description, Rockstar. Hein. Là, vous nous faites littéralement un middle finger. Attends. Ça, c'est nouveau, ça. C'est un peu les mêmes, hein. Je trouve, personnellement. Nouvelle fois, je les ai là. 225 $, elle est presque pas chère celle-là. Moteur V8 7.5, puissance 300 chevaux, 295 km/h. C'est pas beaucoup. 0 à 100 en 10 secondes 1. Ah oui, c'est un vrai beau. Voilà. La première vie d'une partie de tennis sous énergie de 20 de 100, littéralement. 2 fois la force, 2 fois la force. Moi, c'est quand même le coffre est équipé d'un étoilier haute pression intéressant, spécialement conçu pour faire partir le sang. Les matières fécales. Tiens, le cure de Panda revient, il était déjà là sur le Swift, le choix des indices. C'est intéressant. Nous avons donc 5 nouveaux véhicules, cette espèce de voiture, là, de moto, pardon, à 638 $. Avec son style audacieux et futuriste, quand il a été aperçu pour la première fois dans les dessins animés des années 80, cette moto vous donnera l'impression de jouer dans un film rétro lors de votre trajet quotidien. Coque en fibre de carbone, affichage LED inutile, style bombardier furtif. Très peu de gens sont assez vaniteux et assez riches pour investir autant d'argent dans un cosplay. Ils sont littéralement en train de nous dire que cette moto c'est bien. Maintenant ils se cachent plus les mecs. Mais simplement en faire partie. Elle dispose d'un système de récupération d'énergie au freinage grâce à le fameux SREC là. Bon, je pensais que c'était ça sur la. J'ai l'impression que le boost, mais c'était autre chose. Donc il accumule l'énergie de l'axe de la roue pour en changer une batterie spéciale. Cette énergie sera alors transmise aux roues arrière. Vous fournissant ainsi une accélération pardon, conséquente. Moteur VT Twin 750 cm3,
Puissance 20... Puissance 29 chevaux. Donc, grosso modo, c'est une moto qui accélère fort, mais qui ne doit pas être, qui ne doit pas avoir une vitesse de pointe très élevée. Bon, alors, déjà, que penser de cette nouvelle truc? Il y a déjà deux voitures qui m'intéressent. Le fameux espèce de voiture là, qui ressemble un peu aux voitures du Paris-Dakar ou de la Motorsport, je ne sais pas quoi, Pacific Rift. Et là, celle qui s'apparente à une McLaren P1, j'ai l'impression. Alors, franchement, 2 200 000 là. C'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi je fais pas mal. Donc nous avons donc un total de 5 nouvelles voitures, dont une qui ressemble énormément à les œuvres précédentes, une qui a l'air sympa aussi, pour la tester en course. Un buggy qui a l'air plutôt assez intéressant, je pense un peu incontournable, même s'il est absolument détruit. Et le pétage de cap total, c'est 2 100 000. Donc je pense que plus on va avancer dans les mises à jour, et plus il y aura à peu près le même, le tout va se répéter. Grosso modo, on aura une moto, un coupé sport, une voiture de une classique, et en fait, là, on aura toujours, à mon avis, je pense, une espèce de super sportive qui aura toujours des prix encore plus déments. 2 200 000, vous vous foutez de la gueule du monde. C'est n'importe quoi. Bon, alors, ça, c'est pour les bagnoles. Je crois qu'il n'y a pas de nouveauté après. Est-ce que des voitures ont été rajoutées? Regardez ça. Groetti, tiens, ils ont rajouté Groetti en dessus, par-dessus le truc. Groetti, c'est Ferrari, alors normalement, un peu ce moment, c'est bien, je pense, s'en fiche. Ah, ils ont rajouté peut-être des noms en plus sur les voitures. Groetti, ils ont changé un peu les noms. Ils ont mis les noms complets, en fait. Parce que sur le social club, normalement, il y a les noms complets, bah, voilà, c'est le nom total de la voiture, comme ça, genre. Ok, bon ça c'était pour les bagnoles, alors on va voir sur Warstock, c'est là qu'on craint le pire, parce qu'il y a un nouveau véhicule sur Warstock, ça va saigner. Pas de nouveau véhicule, c'est presque une bonne nouvelle en fait. Pas de nouveau véhicule sur Warstock, très très bonne nouvelle. Sur les docks, je pense qu'il va y avoir un nouveau bateau. Parce que cette espèce de truc là est nouveau. On dit carrément. Là, je suis en vidéo, Gara. Une autre présentation de cette nouvelle mise à jour, partie 2. Un bateau à 1 750 000. Et ça nous manquait, ça, franchement. Un bateau à 1 million, tiens, c'est intéressant. Alors, des lacs italiens au canon de Vespucci, Los Santos découvraient un degré de raffinement que seul l'argent gagné sans scrupule peut payer. Bois de forêt tropicale protégée, finition là. En lac de plusieurs centimètres d'épaisseur et double moteur V12 carrément. Capable de transformer une baleine bleue en purée. C'est intéressant. Surtout qu'on n'a pas d'animaux sur PS4, donc c'est extrêmement intéressant. Ce niveau D2, je sais pas quoi, ostentatoire, pas un protège un supercar, mais bizarrement il passe beaucoup mieux dans un hors-bord grand luxe. Non? Bah non, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Il y a fait celui-là. Alors, là, franchement, ils veulent vraiment qu'on dépense le peu d'argent qu'il nous reste. Bon, moi encore, ça va, j'ai pas d'argent, mais si les mises à jour comme ça arrivent de plus en plus rapidement et si elles sont de plus en plus rapprochées, ben, ça peut ruiner absolument n'importe qui, ça. Sauf le modèle avec cheater. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est beau, ça. Ça aussi, le prix d'un astico. Le hors-bord 2 places, c'est intéressant. Oh, 25 000, ben, c'est pas mal pour avoir un hors-bord quand on débute dans GTA. Ça, c'est bien, ça c'est sympa. Il faut pas rien, ce cadeau parfait pour votre ado pourri gâté, histoire de fêter ce moment si spécial que vous rendez, où vous vous rendez compte qu'il est déjà trop tard pour qu'il fasse quelque chose. Ah, c'est énorme. Donc, il y a deux nouveaux bateaux, il y a cette espèce de. Le truc qui est pas mal pour les gens qui débutent, avoir au moins un bateau, parce que c'est quand même important d'avoir un bateau. Et cette espèce de connerie, là, des bateaux à 1 750 000. Bon, je sais pas, on va l'essayer aussi, ça fait pas mal de choses à essayer quand même. Hein. Pourquoi je ne peux pas. Voilà, donc on va maintenant arriver sur Super Auto Sans Voyage, je crains le pire, est-ce qu'il y a des nouveautés? J'imagine que oui.
Apparemment non. Ils ont juste rallongé le nom des voitures, de certaines voitures. Ce qui était plus que inutile. Parce que de toute manière, on ne les voit pas comme ça, donc il faut cliquer dessus. Qu'est-ce que c'est? Course. Ah oui, d'accord, ok. Moi j'aurais bien aimé une voiture compacte parce que j'en avais acheté une, je la trouvais moche. J'avais acheté la Seine Passeur, là, celle-là, la déplacée. J'ai revendu, j'avais aussi acheté la Sirocco, la Volkswagen, la, comment elle s'appelle, la petite. On descend, de l'autre côté. C'est là encore plus pourrie cette voiture. Celle-là qui est pas mal aussi. On descend. Pas de nouveautés sur superauto.com à part les noms qu'on verra, j'ai des voitures, on va les mettre complets maintenant. Peut-être changer 2-3 photos, mais ça n'a pas grand intérêt. Je vais les braquages. Agacide, batterie. Ah, il y a peut-être des rajoutés déjà là. Non. Non, je pense pas, elle était déjà. Si, je pense qu'elle a été rajoutée celle-là. Parce que je crois que avant le truc s'arrêtait là, quoi. Ça faisait une ligne complète. Il y a que des motos. Ça fait quoi les une place, ça fait des moins. Donc, on va maintenant aller voir à comment ça s'appelle à Armination. Parce que je pense qu'il y a au moins deux nouvelles armes. Il serait question, je crois, j'avais vu d'un coup de poing américain, enfin qui arrive dans GTA. Bon, ça, je savais plus ou moins qu'il allait arriver parce que. Donc, il y a toujours eu un coup de poing dans les GTA, coup de poing américain. Peut-être sauf dans les premiers. On va prendre, tu peux l'inviter. Bah, je vais t'inviter. Je suis en train vite. Donc allez voir cette nouvelle arme. Je regarde si les réglages de chat sont bons. Ah, j'ai aussi cru comprendre qu'il y avait une nouvelle station de radio. Voilà, attends. Effectivement, il y a une nouvelle station de radio, là, tu vois ça. Je n'écoute pas la radio et malheureusement je pense que si je vous fais une station de radio, on peut plus se faire, parce que si je mets de la musique, ça va, je vais avoir des droits d'auteur sur la vidéo, ça va, je vais pas pouvoir payer la vidéo, je vais venir après sur la radio. Yo, holla. Alors, action de mission. On verra qui s'approche, je suis en vidéo garage, c'est la découverte de la mise à jour du Crimpé partie 2. Le photo ça compte toujours pareil. Et les vêtements à checker, les freins à checker, les poteaux à sauver, ça compte 3 points, donc ça va. Salut Destroyer. Ça va? Pas bien, ah, et toi? Nickel. Ah bah t'as repris ton micro, c'est excellent. Ouais. J'ai réussi à avoir un micro, c'est bon. Je suis en train de découvrir la mise à jour, elle est pas mal, mais un peu abusée au niveau des prix, je trouve. Ah bon? Les deux nouvelles. Oui, j'ai pu récupérer enfin le mousquet là que j'avais plus, je sais pas quoi, j'avais bugué, je l'avais plus, mais là j'ai pu récupérer la mise à jour. Et la nouvelle voiture, la McLaren P1, là, où je sais pas comment il l'appelle. Elle est abusée quoi, 2 200 000 $. Ouais, bah, j'ai vu ça. J'ai l'impression que plus les nouveaux mises à jour arrivent, plus les voitures vont coûter deux fois plus cher. À 2 millions, ils abusent quoi. Elle a l'air d'avoir de la gueule. Alors, on va les essayer en course. Je sais pas si t'as pu les essayer toi déjà, les nouvelles voitures. Non. On va essayer en course. Attends, est-ce qu'il y a une nouvelle armure déjà? Je crois pas, j'ai l'impression, non. Le truc de milieu, il y a quoi?
Même chose. Alors, ce qui paraît, il y a un nouveau pistolet de précision, je sais pas quoi, et un. Il y a un coup de poing américain. Ouais, il y a un nouveau pistolet américain, il y a un coup de poing américain que j'ai acheté. Ça va être sur la droite. Pistolet de précision. Ah, mais c'est le fusil calancier qu'il y avait dans. Dans le standard, ouais, hein, c'est bien. Alors, le nouveau pistolet, il vaut pas grand chose. Hein. Ouais. Pour ceux qui aimeraient le risque, tâcher de faire compter chaque coup, faire moins de choses. Ah oui, d'accord, oui, c'est un pistolet. C'est quoi, je pense que je vais l'acheter pour pouvoir tester. Version originale, version top armée. Il est pas mal, hein, je prie là d'ailleurs. Je prends un rouge, ouais, un bleu. Alors la couleur or est assez bizarre parce que... Ça fait combien de temps que t'as pas joué à GTA là? Ça fait une semaine je crois, un peu plus d'une semaine. Ah ouais, t'étais parti en vacances? Ouais c'est ça, je suis parti faire une... ouais en vacances ouais. T'es parti où? Je suis parti en Grèce. Enfin, un genre de... ouais une croisière, mais croisière sur un bateau à voile, c'est plutôt sympa. T'as dû t'éclater. Ah ouais, enfin, je me suis bien éclaté. Alors, le coup de poing américain. Quoi? Si, 900 pour un bout de métal, mais pas sérieux, Rockstar, là, vous foutez de la gueule du monde, là. Partez pour casser les dents en or, ouais, pour offrir. Putain, mais 9500, 6900 dollars pour un coup de poing américain. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. J'achète quand même. Ah, ça fait ça, hein, c'est cher. Putain, c'est abuse, quoi. Ah là là. The second you get out the door. Pas mal. Pour une arme à corps à corps. Ouais, ouais, 6000 dollars pour un coup de poing américain, mais c'est. C'est du délire total. Je vais regarder un peu ce que je veux. Alors. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va faire une nouvelle mise à jour, de toute façon, les trucs vont être deux fois plus chers, chaque fois. Ouais. Mais chaque fois, ils nous foutent des trucs, ouais, de plus en plus chers, quoi. Un coup de poing américain, il est plutôt stylé, je trouve. C'est pas jamais essayé sur une personne qui pense si ça fait beaucoup de dégâts ou pas. Ouais. Je pense que c'est parce que. Tu peux essayer, vas-y, envoie un coup. Oh ouais, ah oui, c'est vachement efficace. Moi, je savais pas que t'étais là. Non, t'inquiète, non, c'est plutôt efficace, hein. Ah ouais, ça m'a enlevé la moitié de ma vie, c'est pas mal. Ça, à mon avis, en deux coups, tu dégommes quelqu'un. Attends, vas-y. Pardon. Ouais, non, mais faut que tu fasses un grand coup, tu vois. Genre, ouais, attends. Ah ouais quand même. Ouais, t'as vu ça enlève la moitié de la vie. Donc c'est ouais. C'est un gros truc, non c'est pas mal. C'est pas mal ça en affrontement à Manu. Ouais. Attends je cherche le nouveau pistolet. Ah ouais attends le nouveau pistolet il est où? Dans les fusils à pompe j'imagine. Non non dans les pistolets. Dans les pistolets, ah bah oui putain la vache. 4526 Ah mais c'est un pistolet, c'est pas du tout un fusil à canon. Ah mais aussi au début c'était un fusil mais... Ah oui il a le réticule de... Attends regardez. Oh la vache. Ultra violent, j'ai tiré, ça a tué deux mecs. Allez essaye sur moi, direct sur la tête moi. Je vise la tête. Je sais la ouais, tête. Ouais, essaye, je bon. Pense que tu fais un headshot direct. Oh ah, il est monstrueux hein. Faut que t'essayes sur moi attends. Défoncé, là. Ah ouais. Attends il est brutal le truc hein. Ah ouais, mais ce qui est con, c'est que ça tire une balle par balle. Ouais, ouais, ça t'as un chargeur, ouais, mais ça, je crois que ça envoie deux pruneaux, je pense. C'est vrai qu'il est plus puissant qu'un fusil à pompe, quoi, c'est dément. Vas-y, mets-moi un coup, là, je suis là avec la... Attends que je vienne, là, que j'ai la police, là, en plus. Je sais pas s'il est précis, vraiment, à longue distance. Vas-y, fous-moi un bon coup de fusil à pompe, là, enfin, le truc. Non, pas le mousquet, le... ouais, vas-y. Vite. Tiens-moi dessus. Vas-y. Vite. Trop tard. C'est pas grave. Alors, bon, bah, les nouvelles armes sont plutôt pas mal, hein, je trouve. Bon, totalement hors de prix, mais pas mal. Mmh. Ouais, donc, il fait combien
dégâts. Ah ouais, c'est ça, donc en deux balles, t'es sûr de tuer n'importe qui, quoi. Après, Ouais. faut qu'il soit proche, quoi, parce que niveau précision et portée. Et apparemment, ils vont charger un coup de mieux. Il n'a pas de chargeur en fait. C'est juste toutes les balles sont d'accord, ok. Ah, c'est comme ça avec le gros fusil là de cowboy, je sais pas quoi. Ouais, le mousquet là, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, il est pas mal du tout. Il me plaît bien, moi. Alors, on va regarder vite fait les masques. Nouveaux vêtements et tout, tralala, tout à l'heure. Oh là là. Il n'y a pas l'air d'avoir de nouveaux braquages. Je pense pas qu'il y ait de vilain non plus. Il y a des nouveaux vêtements, mais. C'est pas très beau les nouveaux sont vêtements. Pas terribles? Non, bah. Vas-y, je te fais monter en voiture quand même. Ah non, t'inquiète, j'ai ma caisse juste là. Parce que tu m'as dit que les vêtements ont pas l'air terribles. Attends, on va aller voir ça. Ah. C'est un peu des vêtements de 80, quoi. Ah ouais. D'avoir un grand blouson, mais. Au débile, je sais pas quoi. Ah ouais. Ah, je sais pas comment tu. Moi, je dis ça parce que j'aime pas, mais après, t'as le thème. Ouais, moi, je suis pas fan, mais les derniers vêtements étaient pas trop mal. On va voir. Ils n'ont toujours pas mis de nouveaux masques. Ouais. Ah ouais? Ah, je pense que j'ai jamais allé voir, donc je vais aller voir pour voir. Mais... Ouais. Est-ce qu'il y a des nouvelles coupes de cheveux ou... Ouais, ça j'ai vu, ouais, il avait des nouveaux coupes nouveau de truc? Cheveux. C'est pas mal ça. Ouais, alors que s'il rentre avec un coup de poing dans la cave dans le truc, ça fait quelque chose. Non, il l'enlève. Ok, alors on va voir les... On va aller directement aller à la caisse là, pour voir l'intégralité de tenue de luxe. Oula! Le manteau est plutôt stylé. Ouais. L'investisseur. Le macro, ça fait nana, je trouve que ça fait manteau de nana. Ah, je trouve pas beau les nouveaux vêtements. Le friquet, il est absolument hideux, ouais. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Le parvenu, j'ai oublié ce que c'est dire. Ouais, bon, c'est un peu toujours dans l'esprit de la dernière mise à jour, quoi, le bienfaiteur. Oh là, mais c'est très très moche. Ouais, avec un foulard et tout, non. Bizarrement coupé le manteau, ouais, je trouve. Ouais, c'est plein aux as. Enfin, mais plein aux as, je vois pas encore, ça fait plein aux as, ça fait charclos le truc. Et puis il y a une casquette, là, le branleur, bon, moi c'est clair et net, ça, c'est pas terrible. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont mis les mêmes. Il y avait des vêtements comme ça là sur le branleur là, j'ai l'impression que c'est les mêmes vêtements mais avec des couleurs différentes quoi, ils ont changé de nom, c'est un peu le VIP, ouais bof. Jet set, c'est plutôt moche. Ah, et ouais, les nouveaux vêtements sont très moches. Masque. À part le premier, l'investisseur est pas mal. On va regarder les vêtements à part. Les pantalons. Là j'aurais pu mettre quand même des nouveaux masques, hein. Toujours aucun masque. Ah ouais. Pas de nouveaux pantalons, j'ai l'impression. En fait, il y a très très peu de. Ils sont où ces foutus manteaux? Ah voilà. En fait, il y a très peu de nouveaux vêtements. En fait, ils étaient juste mélangés avec d'autres vêtements qui existaient déjà avec moi. Alors. Perseus vert, ouais, c'est une espèce de manteau un peu grand avec du col relevé, c'est pas. Marine, ouais. Tranché vert, c'est pas terrible. C'est pas terrible. On dirait des manteaux de nana, quoi. C'est... Ouais. Il y a un bleu, noir, beige. C'est le manteau qui existait déjà, qui est plutôt stylé d'ailleurs. Ok. Pull. Pull à motif à essence colorée. Ouais, c'est un peu les mêmes, c'est quasiment les mêmes vêtements que qu'à la précédente mise à jour, qu'ils ont juste rajouté les. C'est ça. Ok. Et pourquoi j'ai pris le manteau?
le joker peut-être pas dedans. Qu'est-ce que c'est hop là. Ça, les hauts polyvalents, en fait, ils ont même changé les catégories de vêtements, j'ai l'impression. Blouse en cours, c'est quoi? C'est blouse en cours. Ah ouais. Ils ont renommé quelques catégories parce que c'était mieux, c'était un peu chelou. Ah voilà, c'est là qu'il y a tous les manteaux. D'accord, Perseus gris. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont un vraiment problème, Rockstar, avec des couleurs, parce que ça, pour moi, c'est pas gris, c'est blanc. Blanc. Voilà, remarque, si on le met d'un côté, ça fait gris. Bref. Ouais, donc pas des vêtements incroyables, hein. Franchement. Ah bah oui, là. C'est même carrément moche. Bon, bah, des vêtements moches, des voitures hors de prix. Bon, les armes sont cool. Ouais, j'imagine pas la prochaine mise à jour. Putain, mais ils vont péter. La voiture va... Je pense que la voiture va taper dans les 3 millions à la prochaine. Parce que la Huayra, elle a été à 1 150 000. Le pire, c'est que tu vas te foutre, je sais plus, c'est 300 000 ou 600 000 dollars d'amélioration. Quoi. C'est la folie, quoi. C'est un moyen, tu sais, pour repérer les modeurs, quoi. Quoi, il y a un moyen, c'est-à-dire. Ça s'appelle un moyen. Comment? Peut-être qu'ils mettent les prix assez chers pour trouver les modeurs. Ah, ouais. Bah, je sais pas. Parce que... Enfin, moi, j'ai pas mal d'argent, mais si tu veux, vu le temps qu'on met à gagner 1 million de dollars, ça te fait quand même vachement réfléchir, même si t'es plein aux heures. Parce que tu joues honnêtement comme nous, là. Comme nous tous là dans le trou, tu te dis quoi, c'est vachement long de gagner 1 million de dollars dans GTA. Ah bah oui. La voiture qui tape dans les 2 millions, enfin, c'est un délire total quoi. C'est comme les hélicos à 10 millions ou l'autre à 5 millions. Ça, je pense, c'est pour les modeurs quoi. Mais je vais faire une vidéo dans, après celle-là, là, pour qu'il explique un peu Rockstar, enfin, il faut passer un espèce de message disant que. Enfin, qui explique un peu, qui explique d'ailleurs aussi comment signaler un modeur, toi, par exemple, dans une partie, je sais pas si tu sais comment faire. Attends, je reviens, je vais aller boire. Ça marche. J'ai pas l'impression qu'il y ait des nouveaux. Coiffeur, maquillage, on a rien de nouveau. Coiffeur. Non, rien de nouveau. 3 étoiles jaunes. C'est quand même vite fait. Surf rasé. Ok. Côté rasé. On a rien. Coupe de hipster. Bon, franchement, cette mise à jour est quand même pas mal, je trouve. Mais c'est juste le prix qui casse tout. Quoi. Et aussi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouveaux apparts. Quoi. C'est fort regrettable. Je sais même pas si j'ai assez la place pour acheter de nouveaux véhicules. Quoi. Bon, je vais quand même attendre avant d'acheter des véhicules des nouvelles mises à jour là parce que. Bon, je pense que c'est pas mal parce que Electro, lui, qui a pas mal d'argent, a sûrement dû les acheter. Je sais pas si Chaton va rejouer, je pense qu'elle va aussi les acheter quand elle va se connecter. Comme ça, on va pouvoir tester les bagnoles, c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut aller regarder maintenant? Les masques, on a checké les vêtements. On va peut-être aller à Los Angeles Custom pour voir s'il y a des nouvelles améliorations. Parce que de temps en temps, avec ces mises à jour-là, il y a des nouvelles améliorations. Un nouveau truc spécifique aux mises à jour pour. Petit accessoire en plus pour les bagnoles. Alors malheureusement, encore une fois, je peux pas pouvoir vous montrer la nouvelle radio. Sinon, je vais vous choper le droit. Perdu la main à la conduite, c'est pas mal. What can the best mechanic in LS do for you? Je vous ferai aussi une vidéo pour vous expliquer comment développer les jambes chromées gratuitement, les avoir gratuitement, parce que moi par exemple. 100% guaranteed. Sur le bug du klaxon, il n'y a pas de nouveau trait. Alors si vous allez sur jantes. Par où, pardon. Je vais aller sur, je crois, je sais plus, j'avais débloqué dans les tunings.
chromées, et moi toutes mes chromées sont gratuites. Je t'expliquerai comment débloquer les jambes chromées, hein, si vous voulez. Ça marche avec absolument n'importe quel catégorie, le rider, le car, tout terrain. Le gars, je vous expliquerai comment débloquer les jambes chromées gratuites. Dans une prochaine vidéo. Alors, bon bah rien de nouveau, je pense à... Holstos Custom. On va regarder les masques. Il y a des objectifs quotidiens aussi. Vous voyez une course en collision, faites une horaire 10 secondes, allez au cinéma, bon ça va être très très bien et très, très rapide à faire. Bon, je pense que je le ferai en off. Hein. On va voir si les nouveaux appartements, si le site des appartements. Ah bah tiens, il y a depuis là, j'ai l'impression de faire le truc. Donc pas de nouvelles, pas de villa pour l'instant, le site est toujours en cours de maintenance. Ok, d'accord. Dynastie, jusqu'à une nouveauté. Non. C'est toujours la même chose, on dirait sur le magasin de masques. Et après, on va essayer nos 5 nouveaux véhicules. On va faire les 5. J'ai l'impression que le jeu est plus fluide aussi, non ? Je sais pas si c'est. Donc, on a effectivement 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux véhicules qu'on va tester. Ça dans tout terrain, ça doit être un coupé, sportif classique, super sportif et moto, je pense. Une vidéo qui j'ai pas eu d'en faire une si j'ai des vraies choses, j'ai pas fait pour essayer de vous montrer comment choper absolument n'importe quel véhicule sur la carte du jeu sans un système qui permet de trouver les véhicules du jeu quoi. Sans en chercher pendant des heures avec une voiture et tourner pendant des heures. Est-ce que j'ai des enquêtes qu'il faut? Je sais pourquoi avant qu'on va y aller. Voilà, je fais ça aussi. Ah, very good. What's where you going? Fuck you. Pretty sweet. Oh, oh, oh. Je pense qu'on aura des nouveaux masques quand il y aura des nouveaux braquages. Un petit coup de poing américain, le pistolet là il est autre. Alors voyons voir le masque. Bah rien de nouveau. C'est fort dommage. Quel nouveau, vous connaissez tout ça. Absolument aucune nouveauté. Donc maintenant, on va s'attaquer aux courses. Alors, on va se faire des courses GTA pour qu'on puisse sortir de la voiture et tourner un peu autour, voir à quoi elle ressemble. Alors, est-ce que je peux faire ça avec ma course? On va essayer avec ma course. Ah ouais, mais non. Du coup, faut que je la réactualise avec le... Ah tiens, les affrontements sont x2. Ah, c'est le x2 RP, c'est pas mal ça. Et les survies. Non. Pas sur parachute non plus. Les munitions non plus. On s'est dit on fait quelques. Ah tiens les courses. Je crois que les courses sont x2 en dollars. Les courses font double dollar et les affrontements double. Ouais, je sais, les affrontements. Ouais, voilà. Ouais, je crois que ça dure jusqu'au 15. Donc. Voilà, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite. Ouais, bah, je sais pas, mais là, on va essayer de faire les courses, c'est pour montrer un peu le nouveau véhicule. Peut-être une course assez courte. C'est pas trop long. Maintenant, je connais une course un petit peu what the fuck qui est pas trop longue. Mais. Est-ce qu'on... Le problème, c'est qu'il faut que ce soit une course ou plutôt une course tu vois, classique, qu'on puisse tu vois, sortir des véhicules, tourner un peu autour, les essayer, tu vois. Ah oui, d'accord.
Frisson et colline. Vas-y, bah, je te laisse choisir si tu veux. Ça marche. Ah, sinon, tu prends la course casier judiciaire. Ah, très 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 bonne idée. Je pense que c'est plus ouais. Ça fait que de tourner en rond. Ouais. Ouais, c'est très très bien. Ça fait judiciaire. Très bonne idée. On va la faire. Je vois la fenêtre là parce que c'est une chaleur contre le frigo. C'est très chiant que ça frise en plein milieu. Putain, pourquoi je tombe? Bon. Ben, on va faire le trajet en voiture. Tu fais quoi le 14 juillet, toi, destroyer? Apparemment, j'ai rejoint la course et je suis tombé avec des mecs. Donc, Meriwether, because security is a private matter, what can I do for you? I will direct one of our pilots to your current location. Au pire, tu peux aussi aller voir la course que judiciaire. De quoi, Roddy? J'ai pas bien entendu. J'ai dit, si tu veux, je vais aller héberger la course casier judiciaire. Ah bah si tu peux, ouais, vas-y. Sinon, j'ai un hélicoptère pour y aller plus rapidement, mais si tu peux, parce que j'ai fait rejoindre en direct, je suis tombé avec des mecs en fait. Ouais. Donc du coup, ça te prend un risque, ça. Oh bah j'y vais, c'est un peu trop, j'ai ma voiture en direct en plus. C'est bizarre parce que quand j'ai tiré sur le mec, quand la balle a touché le crâne du mec, ça fait le bruit de... Tu sais, les petits pistolets. C'est bizarre. Ah bon? Ouais. Au moment de la détonation, il y a un gros bruit, mais quand la balle touche le truc, ça va. C'est un détail. La vache, attends, j'ai tiré sur le mec avec le pistolet là de précision. Et j'ai juste tiré en tête et là mon hélicoptère est quasiment mort là. Il fait des gros dégâts hein. Mais non. Si. Il tirait juste dans la vitre et apparemment l'hélicoptère fume déjà. Fumée crise oh blanche. Là là. Il est monstrueux ce truc en fait. Oh putain, c'est déjà. Après une petite tire sur une vidéo d'hélico qui assume déjà son hélico, c'est que c'est. Ah, tu verras dans la vidéo, c'est dément quoi. En fait il est surpuissant le truc. D'ailleurs c'est étonnant qu'il ne dégomme pas en one shot d'ailleurs. Parce que... Ouais. Si d'ailleurs je crois qu'il... Non, si, il tue en one shot je crois. C'est si, tu me l'as fait. Ouais, alors je sais pas si dans le corps ça fait aussi en one shot je pense parce que... Ah quand j'ai tiré sur les flics et tout, ouais, ça faisait one shot, ouais. Parce qu'en fait, quand on regarde la barre de dégâts, elle est pas tout à fait au max. Et vu que je pense que ça envoie deux pruneaux, ça fait le double de la barre de dégâts. Donc effectivement je pense que ça tue en one shot n'importe quoi. Soit dans la tête ou dans le corps. Ah bon, ouais. Ouais. Après, ça dépend des joueurs de quel niveau, quoi. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Si t'as un joueur qui a 22, c'est sûr que n'importe où qui tire avec ce pistolet-là, il crève. Je pense que ça va être l'arme de corps à corps par excellence, quoi. Bon, après, je pense qu'il faut voir après à longue distance qu'il vaut. Ah bah, ça y est, je vais faire la course. Ah bah, nickel, vas-y, mets la course en course GTA. Ça, on pourra sortir de nos véhicules. Ouais. Et vite. Attends d'abord, je vais t'inviter d'abord avant de faire ça. Là, voilà. Tu veux combien de tours? Mais 3 tours pour puisse être. Pour puisse voir un peu les voitures bien tourner autour, voir un peu ce qu'elles valent en accélération. Surtout là, il y a plein de virages, donc c'est très très bien. GTA 3 tours super sportif, parfait. Et après on la refera avec, je pense qu'après c'est l'autre, c'est une sportive classique. Enfin, on essaiera de se trouver toutes les catégories. Ok, je peux lancer. Ouais, vas-y, tu peux lancer, c'est parti. Et en plus elle fait double... Ah bon, on fait la vache. Ah yes, la voilà. Ah c'est la McLaren P1, ça j'en suis intimement persuadé. Alors on va la mettre en quelle couleur. Je crois qu'il y a un DJ assez connu que je vais mettre en jaune.
Deadmau5 qui a une comme ça, une McLaren P1 comme ça. Peut-être. Alors, ah, t'as pas pris la P1 toi? Oh, j'ai déjà essayé. Pas incroyable de l'arrière. Hein. Mm. Alors, on peut tourner un peu autour. Ouais, elle est pas magnifique, hein. Ah non. Bon, ça me rassure, tiens. On va voir ce qu'elle veut améliorer. Mais Bon, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas vu personne l'avoir eu, quoi. Est-ce que les portières s'ouvrent comment? Attends, regarde. Les portières s'ouvrent de façon Lamborghini. Ouais, bah ça peut-être à mon avis, ça ressemble plus à une Lamborghini, ça. Non, je pense que c'est une. C'est une McLaren P1. Je sais pas si tu vois à quoi ressemble cette voiture. Si, bah si, je connais à peu près tous les marques. Ah ouais, il a un peu des. Ah, surtout de l'avant, ça ressemble un peu à l'arrière. L'arrière, si je trouve plus l'arrière que l'avant. L'arrière, tu vois, tu sais, les phares, normalement, ils contournent dans l'intégralité de la, tu sais, le trou là. Mais ils l'ont juste. On n'a pas super bien réussi. Alors, attends, je vais voir ce qu'elle voit en accélération. Attends. Non. Ah, ok. Elle a l'aileron qui sort. Et c'est animé. Je pensais même pas que c'était possible ça sur PS3. Techniquement. Regarde. L'aileron qui sort. Ouais. Non seulement il sort, mais en plus quand tu freines, comme sur la McLaren P1, il se regarde. Regarde-moi bien, regarde. C'est génial ça. Elle a le. Ouais. Tu vois? C'est carrément de la folie. Ah ouais. Putain, du coup j'ai les boules là. Je me dis putain, je vais sûrement l'acheter cette pièce là. Oh non, putain. Si on le voit pas du tout. C'est vrai qu'un jour tu parlais de la Bugatti, enfin. Ladder aussi? C'est pas l'aileron, ouais. Ils ont pu faire ça, c'est fantastique ça. Enfin, ça devient carrément intéressant d'avoir une voiture avec un béquet, enfin un aileron. Oh là là. Ah, oh, j'ai des boules. 2 millions. Ah, mais pour 2 millions. Ça va être chaud. Ouais. C'est déjà les 2 millions. Au niveau tenue de route, elle est plutôt bonne, même très bonne. Là j'ai déjà atteint sa vitesse de pointe je crois. Elle tient extrêmement bien la route. Déjà ça. Ah le l'aileron qui sort, du coup faut refaire cette course et on va l'essayer avec la Bugatti Veyron Super Sport. Oh, je sais pas si elle sort ou pas peut-être. Qu'est-ce qu'il m'a mis. Ah ouais. Excellent. Allez, c'est parti, il y a une aileron qui sort, ça serait pas lâché. Voilà. Du coup, la ladder, elle devient vraiment intéressante, quoi. Donc, j'ai peut-être des voitures avec aileron qui sort, je sais même pas, c'est vachement bien cette nouveauté. Alors, là, peut-être que je comprends le coût des 2 200 000. Donc, c'est vraiment du foutage de gueule. Ah oui, quand même, c'est plus que ça. Ben, je propose qu'on refasse, on fait la même chose, on fait rejouer et on fait en super sportive aussi. Ok. 5400, c'est excellent, t'as dû gagner quoi, 10 000 toi? Ah ouais, c'est pas une course qui a duré longtemps. Ah ouais, mais c'est pas mal là, franchement c'est beaucoup hein, 5000 pour une course de 3 tours comme ça à 2. Pas très bien. Ouais, je me souviens que j'avais essayé quoi, 50 tours pour ce circuit là. Ouais. Ça m'a pas apporté grand chose. Ouais. Bah après, si tu mets beaucoup de tours et qu'il y a beaucoup de joueurs et que tu arrives premier, ça rapporte. Mais si tu mets juste beaucoup de tours et pas beaucoup de joueurs, ça. Tu perdras plus ton temps qu'autre chose, quoi. Parce que. Ouais. Ouais, cours GTA, mais ouais, 3 tours, pas tuer, c'est pareil, c'est nickel. Ah, c'est incroyable, j'ai réussi à faire les ailerons qui bougent là. Ça veut dire que peut-être. Je vais la prendre pour voir. Peut-être que les. Tu sais, les blowers là, qu'on met sur les capots des muscle cars. Peut-être qu'elles bougent aussi. Alors là, elle est là. Peut-être. On va la mettre en couleur. En blanc, tiens. Ou en couleur. Tu sais quoi, on va la mettre en blanc.
C'est vrai. Ah, j'ai marqué, pourquoi j'ai parlé de 1000$? Pourquoi il a marqué 1000$? Ah bah, c'est pas grave. Je sais pas, c'est nouveau, ça va dans chaque fois nous mettre directement 1000$. Ah, du coup, comme ça, tu vas pouvoir tester la McLaren, c'est bien. On va voir ce que donne la Véro. Il sort. Ah, j'ai pas l'impression qu'il l'ait fait sur la 2A. Il a pas l'aileron du tort ? Non, l'aileron ne bouge pas sur la 2A. J'ai freiné, essaye de freiner, tu vas voir, c'est assez stylé. Enfin, il sort un peu de manière un peu, bon, pas super super réaliste, mais bon. Franchement, déjà, le fait qu'ils aient fait l'effort de faire ça, d'animer ça, je trouve ça excellent. Ouais, ça fait vrai. Après, peut-être que c'est... Le problème, c'est que si tu testais pas la voiture, tu peux jamais imaginer que ça le fait, quoi. Mmh. Ouais. C'est quand même assez ouf. Et alors, il y a quoi d'autre, tu penses, comme voiture qui pourrait faire ce truc-là, en super sportive? Peut-être la Mac, peut-être la McLaren. Enfin, là, tu sais, la Turismo R. Peut-être. Ah, je sais pas. Pas pour regarder. Bon, je suis pas trop déçu pour la DR parce que c'est quand même hyper cher et ça m'aurait foutu un peu les boules de la chaîne. J'ai jamais aimé la DR dans GTA. Enfin, la DR, la Bugatti plutôt. Au moins, je l'ai pas encore jamais acheté là. J'ai quoi ? Mais c'est quoi mes voitures un peu puissantes ? Je crois que c'est quoi ? C'est que la zone Tourneau et la Ouzéry. Ah ouais ! Bah, la zone Tourneau, c'est la meilleure des meilleures pour l'instant. Hein. Alors, sauf. J'ai essayé la Huayra. En fait, elle freine mieux que la zone Tourneau, mais le problème c'est que la Huayra, elle est hyper large. Donc tu peux beaucoup moins bien te faufiler avec la Huayra dans la circulation. Et. Ouais. Tu vois ? Elle est pas mal ton t-shirt. Ouais, ah bah c'est en fait pour l'avoir, c'est assez galère, il faut, enfin c'est pas trop, faut réussir toutes les missions de l'école de pilotage. Si t'as une coupe de bronze dans chaque truc, tu débloques le t-shirt et t'as fait pas mal. Personne ne l'a ce t-shirt, très peu de monde, parce que... Mais c'est vachement bien, parce que l'école de pilotage, si tu réussis 2-3 médailles en argent ou en or, tu fais vraiment beaucoup d'argent, quoi. Tu réussis au moins toutes les épreuves, pas obligé de les avoir tout en or, parce que tout en or c'est assez chaud et chiant, et du coup tu gagnes rien, c'est à mon avis, si tu les as tout en or. Si t'as au moins une médaille en chaque truc, tu développes le t-shirt et ça te fait pas mal d'argent. Alors là, je propose qu'on change de catégorie. Essaye de mettre. Mettre quoi ? Sportive, essaye sportive. On va essayer de faire toutes les catégories comme ça, on est sûr de pas rater le. Voilà, sportive, on va prendre les Ceramo. Ouais. Ouais, pour essayer de trouver une nouvelle voiture, c'est ça. Ouais. Et je me demande si. Parce que, tu sais, on peut même, à mon avis, on peut sûrement changer l'aileron des voitures dans. Dans. À mon avis, ouais. Sur la nouvelle, je sais pas si. S'ils vont pas mettre un aileron, tu peux changer, du coup, t'auras plus l'aileron, tu vois, à nos yeux. Je crois que. Il n'y a point. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de nouvelle voiture dans les sportives. Bon, c'est bon à savoir. C'est sûr ? Ouais. J'ai tout regardé. Je suis revenu d'ailleurs à mes. C'est pas moi. C'était une voiture que tu ne fais pas. Ah oui. Et celle-là, c'est marrant, cette voiture est dans une mise à jour, elle est passée complètement inaperçue, quoi. Je crois que c'est un concept car Alfa Romeo, ouais, c'est l'Alfloli ou je sais pas quoi, c'est une bonne voiture, hein, je crois. Voilà, ouais. Pour ça, j'ai jamais vu ça. J'hésitais à l'acheter, mais je me suis dit non, parce que si j'achète une voiture comme ça, elle va coûter une blinde à améliorer. Et vu qu'il y a des mises à jour en ce moment. Après la moto, je sais pas si elle est très rapide la moto. Alors, apparemment, elle a un nombre de chevaux absolument ridicule. Je crois qu'elle a 29 chevaux, mais elle a le système de récupération d'énergie au freinage apparemment. Et ça donnera un genre de bouge. Donc je pense que c'est une moto qui accélère fort, mais qui va pas très vite. C'est un peu naze. À mon avis. On va voir ça. Hein. Merde. Oh putain.
C'est quoi, regarde. Ouais. Une semaine d'arrêt de GTA, c'est terrible. Ah, bah, moi, c'est tombé aux deux. Ouais. Donc, c'est quoi ton destroyer le 14 juillet? Ah, je sais pas du tout. Je vais voir. Tu vas pas faire péter des bêtards? Je sais pas, peut-être. T'as prévu un truc, toi? Ah, gamin, mais moi ça. Ouais? Moi, bah, avec les crabouilleurs, Atari et tout, le 14 juillet, voilà, on a acheté des bêtards, on va les faire péter. Ah, énorme! Ah bah on a une artillerie, mais tu verras. Ah ouais? Ah ouais, c'est un truc de dingue. Un crabouilleur, lui, il a un pétard de bison simple, lui. Ah ouais? Des gros machins, mais oh là là, c'est abusé. Ah ouais. Après, je pense qu'il y aura... Non, Cyprien qui aura Army. Ouais. On sera ça, quoi. Ça va être sympa. C'est pas toi après où t'habites, toi? J'habite à Paris, moi. Tiens, vas-y, mes motos. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, je pense que les. Je rajoute à. Ouais. Je verrai, je pense qu'il y aura sûrement des. Ouais, nickel. Il y aura sûrement un truc. Il y aura sûrement un truc. Peut-être la Tour Eiffel ou. Arc de Triomphe, je sais pas, je vais voir. En fait, t'as de la chance d'habiter à Paris, toi. Ouais. Il y a l'air pas trop là-bas. Je quoi? Non, non, ça va. C'est plutôt cool parce que tu peux aller n'importe où. T'as tout à côté quoi, avec le métro, c'est vachement pratique. Tu peux aller partout en Paris sans avoir le. C'est assez sympa. Ah bah non, normalement c'est la dernière. Ah ouais. Moi je dois essayer de la trouver. C'est un peu bizarre, mais apparemment c'est une vieille moto des années 80. Alors je comprends pas pourquoi une vieille moto des années 80 a un système de. Récupération d'énergie au freinage. Oui, on a une petite barre à droite là. Alors, on va la pousser à fond et on va voir ce qu'elle donne en. Allez, c'est parti. Et là. Mais elle a pas. C'est que cette blague là, j'ai freiné, elle a pas de. L'a pas fait. Non, ça n'a pas du tout rempli la barre. Alors peut-être que ça le. C'est comme sur la. Comment ça s'appelle la. Pour l'électro. Peut-être aller à fond ou peut-être qu'elle soit améliorée, je sais pas. Peut-être qu'en améliorant, oui. Ouais. C'est ça. Moi j'aime pas la tête qu'elle a donc. Je suis pas fan de cette moto hein, je t'avouerai. Ah bon non plus là. Elle est. Une moto pour les motards. Ah ouais bon il y a sûrement des joueurs qui vont être vachement contents parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les motos. Mais pourquoi est-ce que le truc ne marche pas au freinage quoi? Peut-être faire un truc spécial, je sais pas. Ouais. Je sais pas, faut voir. Ah là bon, c'est pas très vite. Non, peut-être améliorer. Oh merde! Excuse-moi! Ah merde! Oh, c'est pas grave. J'ai cru que j'avais pris le turbo. Non, c'est moi qui l'avais pris. Ah ouais, merde. Ah ouais, parce que t'étais à côté, bon bref. Bon, cette moto est bizarre. Hein. Je pense qu'il faut peut-être l'acheter, ouais. Ou peut-être le, tu vois, l'acheter et acheter le truc de l'énergie au freinage sur. Sur. Ah bah non, je l'avais. Ah, tu l'avais? Bah, au dernier moment, j'ai freiné, la barre jaune était. Remplie. Ah ouais, éclairé, rempli. Bon, j'ai dû merder, alors pourtant j'ai bien freiné. Ah, il fallait peut-être attendre que le truc s'active, j'en sais rien. Tu veux qu'on le refasse pour voir, non? Ouais, si tu veux, ouais, je veux qu'on le refasse. En même temps, ça nous fait gagner pas mal d'argent. Ouais, c'est vraiment, on va refaire plein de trucs. Et du coup, toi, t'as fait la mise à jour il y a longtemps, toi, je pense, une bonne semaine, non? Oh, il y a pas très longtemps, je crois que c'est cette semaine-là que j'ai fait la mise à jour. Ah oui, elle sortait le 8 juillet, je crois. Ah ouais.
Voilà, mais peut-être Voilà, peut-être du coup, deux. un peu Bon, plus alors, tôt. regarde, mais peut-être deux tours. Le tour. Ouais. Là, on a vu la moto un peu à quoi elle ressemblait. Après, je crois qu'il y a aussi une voiture qui fait voiture tout terrain, je pense. Ouais. Elle a l'air plutôt balèze celle-là. Ouais, celle-là, j'aime bien, mais j'aime bien la tête, celle-là. À ce qui paraît, apparemment, c'est vraiment un véhicule de. Un très bon véhicule, quoi. Moi, j'imagine pas en améliorer. Hein. Ouais. Bon, j'avoue carrément hideux en fait cette moto-là, qui a une espèce de moustache là, là-dedans. Ouais. C'est ça. Au moins là, au dernier moment j'avais vu la barre jaune remplie. Ah ouais? Ah, au dernier moment où j'allais, au moment où j'allais finir la course, c'était rempli. Ah ouais, bah alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de passer devant pour la course. Enfin, je te laisserai passer devant. Comme ça, voir si ça fait le. C'est en ligne droite. Alors, je vais essayer de freiner comme Ligne droite. un malade. Non plus. Pour voir comment marche le truc. Moi, c'est le dernier moment j'ai vu la barre de remplie. On va essayer de freiner à fond comme ça. Allez. Là non plus j'ai freiné, j'ai mis le turbo. Peut-être freiner d'une certaine manière. Ou... Voilà, moi aussi, là, sans t'arrêter, c'est bizarre, ça me veut pas là. Je vais le faire avant de passer la ligne, je vais refaire la course dans l'autre sens. Attends. Vas-y, je te laisse passer, on va voir si. À moins que ce soit un truc genre que tu gagnes que quand t'es dernier, du coup. Vas-y. T'as passé là? Ouais, je suis pas fait. Pourquoi est-ce que la Comme la moto ne se porte. remplit pas? Je sais pas, c'est un mystère. Bizarre. Peut-être faire une manip. Ah ouais. Bon, bah, on passe à la catégorie suivante. Ouais, tout est là. Ouais. Il y a tout terrain, coupé et classique, je crois, à essayer. Ah, ton crew, c'est youtubeur. Pas mal. Non, je sais pas, c'est une automatique. Normalement, j'étais dans le Pongo, mais à chaque fois quand je me reconnais, qu'il me met dans ce coup-là. Ah ouais? Je sais pas. À chaque fois, ça me le fait. Des nouveaux petits bugs, peut-être. Sûrement, quand on a une nouvelle mise à J'ai jour, on a une question. sur autre petit bug. Essaye peut-être sportif. Ouais, tout terrain. Ouais, Sportif, tu veux? non, tout terrain, t'as raison, tout terrain. Non, parce que je pense pas qu'il est sportif. Et après, effectivement, quand on aura testé toutes les catégories qu'on pense, on reviendra peut-être sur les anciennes pour voir si on en a loupé. Ouais. Je sais pas si tu as entendu, je t'avais dit comment tu fais créer un crew. Ah, créer un crew? Il faut que tu fasses ça sur le Ouais, Social comment tu Club. fais en fait? Ah, d'accord. Comment ça, Là, tout c'est terrain? quoi la véhicule pour l'instant? Insurgence en tout terrain, Ah, je c'est vraiment, je l'ai trouvé. l'ai trouvé. Je le cherche Un encore. défaut. Ah yes. Brawler. Oh, il a l'air d'avoir de la gueule, hein. Il plaît bien, hein. Bah, je trouve qu'elle est stylée. Ouais. Après, il a des roues, putain. Oh, il me plaît beaucoup ce putain de véhicule. Ah, t'as vu ça? Ah ouais. Il a l'air d'être bestial. Attends, je fais le petit tour rapide. Merde. Voilà. Pas mal. Alors, bien tourné. Il est bien musculeux. Il est bien surélevé. Il me plaît beaucoup. Après, je sais pas s'il fait à peu près comme la Kuruma, c'était genre bien reculé. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'options pour ce véhicule. Ah, tu veux que j'essaie de voir à quelle puissance il peut faire recul voiture et tout, ou pas une mobile, non? Ouais, vas-y. Attends, bah, je vais essayer. Franchement, je trouve qu'il marche déjà pas mal hein, pour un véhicule pas amélioré.
On arrive fort. Apparemment, elle est plutôt efficace. Klaxon classique. Elle roule un peu vite, hein. Ouais. Tout le terrain, attends, on va laisser dans tout le terrain. Ah, tu veux essayer sur tout le terrain. Oh là là, le saut que j'ai fait. Réception parfaite. Là, je peux lui rechuter. Ah, tu t'es foiré. Ouais. Bon, je fais un beau saut. Ah, c'est bien, il est bien en tout terrain. Ici un peu en tout terrain. Ouais. Ah, il y a un petit peu du mal à tourner. Ouais, tu trouves? Ah, je trouve, ouais. Quand tu vas trop vite, il a du mal à bien tourner. Bah, après ça, ça pourra se régler à un moment donné pour qu'on l'améliore. C'est un bon véhicule. Ouais. Il y a combien déjà? 700 000, je crois. Par contre, c'est un peu rush. Un peu comme ça, oui. Ouais, surtout il a de la gueule. Ouais, c'est... Je pense que je vais me... Non, classé, c'est pas grave. Ouais, bon, c'est... pour l'instant, c'est le véhicule qui me tape le plus dans l'œil. Pour l'instant. Après, peut-être les autres vont te plaire aussi. Ah ouais. On a testé quoi, hein? Il m'en coûte la coupée et la sportive classique. On aura tout testé, je pense. Ouais, mon ami, il faut que ça. Après, on essaiera de se faire une petite mission pour tester les nouvelles armes. Si tu veux. Attends, pour l'instant, là, on est tous les deux à être connectés. Ouais. Alors, deux tours, toujours. Ouais, ou peut-être trois tours, parce que là, on a un nouveau véhicule à tester. Alors, coupé, c'est ça que tu veux. Coupé, ouais. Voilà, trois tours, et après, le custom et l'univers, on s'en fiche, c'est juste pour tester la bagnole. Et après, là, la coquette classique, là, enfin la nouvelle Corvette C1, là, elle sera... Je pense qu'elle va être sympa, parce qu'il y a déjà la C2. Et alors, attends, j'espère que c'est pas trompé de catégorie. Oracle. Ouais, c'est la voiture. Tu as trouvé? Ah, si, je crois que j'ai trouvé, c'est F620, c'est ça? Non, pas du tout. Non, elle est pas dans cette catégorie-là. Non, c'est pas celle-là. Ah, dommage. Ouais, elle est pas dans les coupés. Non, c'est curieux ça. Ah bah non, elle doit être dans les gros cylindrés, bien sûr. Ouais, oui. Parce que c'est aussi une grosse, c'est aussi un coupé, je crois. Mais vu que c'est une muscle car, je pense qu'il a dû plus favoriser la... la nouvelle, là, que j'ai. Ah, t'avais fait un même aussi. La F620, là, ouais, je l'ai aussi, elle est pas mal. Aussi, une voiture à savoir que pas grand monde. Tout le monde a. J'aurais dû me douter que c'était dans la grosse cylindre. Ah, oh, tu sais, ça arrive. Ouais, bon, c'est pas grave. On a de reprendre un peu. Je sais pas si tu connais, mais il y a un truc qui est pas mal. Tu sais, les jambes chromées coûtent une fortune. Ouais. Et il y a un truc qui permet d'avoir les jambes chromées gratuites. Ah non. C'est un petit bug. Non, c'est pas du tout un bug, c'est un truc que Rockstar nous a. Parce que c'est tout à fait légal. J'ai débloqué par, sans m'en rendre compte, des jantes chromées, les tunings. Gratuites, c'est-à-dire qu'elles sont toutes gratuites, ouais, je ferai une vidéo pour expliquer un peu ça. Bon, par contre, c'est assez long à faire, c'est les petits objectifs à faire. Et ça permet de débloquer les jantes chromées, ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'effectivement, elles sont quand même plutôt stylées, elles sont plutôt hors de prix, quoi. Il y en a qui valent presque genre 76 000 $, c'est des trucs de... Ah bah oui, là, c'est sûr. Ah, il est pas là sur moi, ça me gagne la pique plus d'argent. Ah ouais. Et ouais, c'est un truc à truiner, quoi. Parce qu'en plus, ouais, 300 000 $ d'amélioration, tu fous des gens de chromé à la P1, là. C'est fini, quoi. C'est abusé. Ouais, ils abusent. Donc, c'est toute ma thune pour la Osiris, là. Comme si on avait gagné des millions pour les braquages, quoi. Comme dit les crabouilleurs, on va pas gagner des millions, quoi, loin de là.
Après, c'est qu'à mon avis, si on veut bien avoir toutes les voitures, faut faire un braquage pour gagner 10 millions et tout, quoi. Ouais. Ça c'est chaud, ça. Mais avec toi, Crabouilleur et moi, je pense que c'est faisable. Mais Ouais, il mais nous bon. faudra un autre joueur, Il quoi. faudrait un joueur. Ouais. Je sais pas, après, si tu connais un joueur qui pourrait être bon. J'en connais, mais qui sont pas assez bons, quoi. Il leur manque, tu vois. Ou alors qui sont bons, mais tu vois, En qui se connectent plus, pas là, assez comme souvent, quoi. Ouais. En plus, voilà, tu vois, j'ai un micro, donc comme ça, on pourra Ah ouais. communiquer et tout. Tu vois, il y en a que je connais qui est plutôt bon, mais il est anglais, tu vois. Je parle pas assez bien anglais pour. Même si on peut toujours se Moi faire non plus. comprendre, tu vois, et puis. Me demande même pas. Alors, c'est Ah. cylindre coupé, c'est ça? Ouais, gros, non, gros cylindre, ouais. Ah, ok, c'est bon. Alors, de toute façon, là, je vais revenir, là, c'est un café, t'inquiète pas, j'en ai besoin. Il va falloir qu'on se fasse du pognon là pour les mises à jour parce que je sais pas combien il y aura de parties. Je pense qu'il y aura un minimum 3. Mais alors attends. C'est ça, c'est la Ligero? Ah, c'est bon, Attends, c'est la Virgo? je crois qu'il n'y en a qu'une, là, non, c'est la Blade ou je sais pas quoi. Blade. J'ai du mal à voir. Ouais, Blade. On se manie de choisir la Une bagnole voiture où parce tu que. fais Ah oui, c'est vrai, coquette. Ah non, c'est la coquette! Ah! Mais en fait, là, je pensais que la coquette c'était une coquette classique. Mais en fait, non. Tiens, il y a un bug ou quoi? Ça, c'est une grosse cylindrée, sans déconner. Une grosse cylindrée, c'est une sportive classique. Ah, et ça a bugué. Alors, attends, regardons un peu cette pièce. C'est une sportive classique. C'est la Corvette C1, c'est la première C1 pour la première génération de Corvette. C'est une voiture qui vaut absolument une blinde. Et il y a des gens, putain, c'est de la folie totale, quoi. Personne n'a maîtrisé de frein. Ah, les jantes sont magnifiques. On va voir une voiture de série pas blindée, combien est-ce que ça fait hein. Alors, si elles peuvent exploser. Alors, tu as toujours un point faible sur les voitures. Hein. Il y en a un, c'est. Toutes les voitures ont le même point faible. Je ne vous le donnerai pas. Non, non, si, c'est un truc au niveau du réservoir. Si vous tirez en réservoir, vous pouvez dégommer la voiture beaucoup plus rapidement. Alors, ce que ça vaut. Ah oui, quand même. Quand même. C'est quand même assez vénère comme truc. Si on tient. Après, on va essayer de retourner dans la session pour retester, réinviter les caras. Alors, mets un temps à péter là, on va un petit peu. C'est 1, 2, 3. Oui, il y a à peu près 3 secondes, un peu moins de 3 secondes pour recharger l'arme. D'accord. Pour celle-là, c'est combien? 1. Un peu moins de 5 secondes. Donc nous allons donc faire 40 pour appeler notre véhicule. Ouais, donc le véhicule plutôt stylé. Hein. On va voir ce qu'il vaut à l'accélération. Alors il a une bonne puissance, mais il lui manque quelques chevaux d'âme, parce qu'il accélère pas très très fort. Là, on a sa vitesse de pointe. On le perd d'ailleurs. Voilà, c'est 24 000, je me suis 24 000 dollars quand même. C'est quand même très bien, juste en testant des véhicules. Donc, je dirais que celle-là est pas mal. Bon, je suis pas fan du design, je pense que je n'achèterai pas celle-là. Mais parce que je pensais que, regardez, c'était une. Le freinage, c'est pas ça. Donc, c'est effectivement. C'est une grosse cylindrée et non une sportive classique, ce qui devrait d'ailleurs, parce que c'est une voiture qui date
Peut-être pas des années 50, peut-être, je pense. Vraiment, c'est pas assez ancien pour Rockstar. C'est vrai qu'on va tester le freinage. Si, franchement, le freinage. Là, on va essayer le super freinage, qu'on appelle le super freinage. Super freinage, d'ailleurs, que vous ne pouvez que faire en ligne droite, sinon votre moteur partira en cacahuète. La freinage sur un truc qu'on a beaucoup de vitesse. Alors, la distance de freinage est un peu arrangée parce qu'on est passé sur un terrain différent. Mais elle freine plutôt pas mal. Plutôt une bonne voiture bien équilibrée. Bon, je suis pas fan du design à l'arrière, je sais pas si c'est que c'est ce que je veux dire. Ah, c'est les sièges qui dépassent. Déjà, je vais garder, t'inquiète pas, Gara, c'est pas grave. On va te réinviter tout de suite. Alors, ça ressemble à des arceaux de sécurité, mais bizarrement, il n'y a pas trop d'intérêt puisqu'il y a déjà le toit. Puis, étant donné que notre tête dépasse, je sais pas ce que c'est ce truc. On va repasser, nous, en mode. Session privée. Le nouveau choc. Donc, ce sera mal. C'est une voiture normale. Une la particulière. Je sais pas si par contre les jambes sont vraiment magnifiques. Je sais pas si on les. Je sais pas si elles sont protégées tout comme les voitures. Non, je pense que ce sera des jambes spécifiques. Bon, des jambes très larges quand même, hein, j'ai trouvé. Cette voiture est plutôt pas mal. En termes de performance, elle est correcte. Franchement, elle est correcte. Après, faut l'avoir amélioré, parce qu'améliorer, ça peut vraiment modifier complètement le véhicule, quoi. Ça peut vraiment être un véhicule des performances complètement différentes. 13 000. Oh, vache. J'étais seul et j'ai gagné 13 400. C'est excellent. On va repasser en mode... en session privée. On va inviter Gara et on va tester le dernier véhicule, mes chers amis gamers et gameuses. Hop là. Piste aussi. On va faire ça parce que je crois que si on fait mode lead directement, on va aller en session avec d'autres joueurs, ce qui n'est pas mon envie, on va dire. Donc encore une fois, si vous ne savez pas vraiment ce que vous valent les véhicules, testez-les avant, testez-les en mode histoire ou testez-les, faites-le faire tester par un de vos potes. Donc je vais pouvoir mettre mes petites fortunes à l'abri. On va d'abord inviter Gara en priorité. Hop, Gara. Voilà, c'est ici le gars dont je parlais, l'anglais, qui est plutôt bon, plutôt très bon, mais qui. Là, je viens de penser à un truc, là, j'ai pas. Au niveau des fringues, j'ai pas regardé s'il y avait le nouveau collier et tout ça, je me suis attardé que sur les fringues et pas sur les accessoires. Mais pas bien. Donc, allez voir les accessoires en attendant que Gara se connecte. Alors, est-ce que le mode de fringue le plus proche se trouve à quel endroit? Je crois que le mode de fringue le plus proche se trouve ici. Je vais d'abord aller en tout cas je trouve que mes joueurs est quand même super, hein. Le coup de poing américain, bon, je suis partie de mes armes préférées, c'est dans GTA le coup de poing américain, mais là c'est carrément un coup de poing américain lourd, hein. C'est pas le coup de poing américain que vous avez dans les précédents GTA qui fait un petit peu de dégâts mais pas beaucoup, puis c'est vraiment un truc tout de bourrin, quoi. Je pense que vous pouvez tuer un joueur en un coup. Un joueur qui a un petit bonus de santé, genre un joueur en 28, peut-être 30, vous pouvez one shot en un coup avec ce coup de poing américain lourd là. C'est vraiment un truc de dingue, donc profitez-en. Ah bah super, Gara est de retour. J'ai l'impression que le jeu est plus fluide aussi. Là, vous voyez. Oh. On va d'abord retirer cette petite garde de gants. Voilà, ça m'a repéré, parfait. Donc, Ah, excuse-moi, c'est la première fois que j'avais quitté la course. Oh, t'inquiète, c'est pas grave.
J'ai pu tester la petite coquette, là, la nouvelle coquette, elle est pas mal, hein. Ah ouais? Ouais. Tu penses que tu vas te l'acheter? Je suis pas sûr. Je vais attendre de voir. Je vais attendre de voir. Je vais aller en mode histoire après faire toutes les. Faire tuner toutes les nouvelles voitures. Hein. Que je fais généralement pour être sûr de. Parce que si tu fais en mode online et que tu n'es pas sur ton coup. Tu perds un max. Je propose que tu me réinvites à cacher judiciaire. On se refasse le truc, mais avant, je vais quand même passer au magasin de frein parce que je crois que j'ai oublié de checker les accessoires. Il y a peut-être des nouveaux gants. On va aller en ville, tiens. Tu sais quoi, je vais pas l'adopter. On va prendre le Michael. Après, je crois que tu voulais faire aussi des missions pour acheter les nouvelles armes. Ouais. En gros, on se fait encore un petit coup de cagé judiciaire pour tester la dernière nouvelle voiture. Avant, je vais voir au magasin de fringues et comme ça, on va pouvoir tester. Ce que je disais, c'est que je pense que les petits joueurs qui sont en 30, 20, machin, ou en dessous, tu peux les one-shot avec le coup de poing américain. Ah ouais, à mon avis. C'est dingue ça. Parce que t'entends, tu sais, quand t'es en affrontement et que tu fais un affrontement où il y a des armes imposées, t'entends que tu tombes à court de munitions, parce que tu tues beaucoup de mecs et que t'as pas. Tu penses pas, tu récupères plus de munitions. Et là, je pense que si on a notre coup de poing américain, ça peut être très drôle quoi. Le mec a plus beaucoup de vie, tu lui fous une patate et tu le dégommes avec le coup de poing américain. Je pense que ça va rajouter des trucs vachement intéressants dans le jeu. À mon avis. Et j'ai pas non plus regardé s'il y avait de nouveaux parachutes. Enfin, je vais juste regarder. Army Nation. Il y a une nouvelle station de radio aussi, je sais pas ce qu'elle vaut. Le lab. Je sais pas, c'est bien. Moi, je peux pas trop la faire en vidéo parce que sinon je vais me taper des. La vidéo va être bloquée. Alors, attends, je suis pas parachute. Ah, c'est GTA. Ah ouais. J'avais oublié ça, tu vois. Petite piqûre de rappel. Hey, how can I help? So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. Tiens, il y a un nouveau pot de fleurs, là. Il y a un nouveau pot de fleurs dans le magasin. C'est extrêmement intéressant. Mais ça prend un souvenir, ouais. Ah non, c'est les hauts, là, je crois. Ah, bah, il y a plein de nouveaux accessoires, les chaînes. Alors, chaîne torsadée platine, 9 900$, tout à fait normal. Chaîne maille serrée platine, 9 620$. Ouais, encore, les chaînes, là, sont mieux, hein, franchement. Ouais. C'est toujours abusé. Chaîne en maille serrée or, 9 100$. Alors, ce qui est marrant, c'est que le platine coûte plus cher que... Ah oui, non, je crois que c'est normal, ça. La chaîne en or est pas mal. Chaîne à carré en or, 8 840$. Chaîne à carré en or, 17 680$. Allez, c'est parti, on fait 3 500$. Chaîne platine, lourd platine, 19 800$. Les chaînes sont mieux, hein. Les chaînes sont plus stylées. C'est les chaînes un peu qu'il y avait dans San Andreas. Donc c'est pas mal, mais c'est toujours abusé. Et au niveau. Alors il y a chaîne, maillon, ovale, platine. Donc sur les platines, enfin les deux ovales et les carrés, je t'avoue que je vois pas trop de différence. Par le prix. Ah bah non. Chaîne maillot ovale or 9 280$. Chaîne plate platine 9 160$. Chaîne bretzel platine. Bon, les chaînes sont pas trop mal. Ouais. Franchement, si tu kiffes le style rappeur US, là c'est pas mal. Alors chaîne blazel or. Chaîne de belcher platine. Chaîne de Belgère or, toujours dans les lunes, 9 000$. Il y a pas mal de chaînes. Chaîne à gros maillon or, 8 100$. Collier de platine, après on a fait le tour. Boucle d'oreille, une nouvelle boucle d'oreille, génial. Ouais. Je peux pas les mettre. Alors, clou, lingot, en or, ouais, on voit que dalle, les boucles d'oreille, on voit à peine.
3 900 $. Clou noir onyx 5 760 $. Clou platine onyx 8 000 $. Clou or onyx 6 360 $. Blablabla. Calcul, il y a la courte. Si vous cliquez les chaînes, l'arbre de la. Le bar, vous êtes content, mais sinon, globalement. Il n'y a pas de niveau. C'est pas super, j'ai pas trop de rêve. Franchement, bout d'oreille. Ah, il y a gauche et droite, d'accord. D'accord, on peut en mettre juste d'un côté, quoi. Ah oui, quand même. On va ajouter ça, ce qui est extrêmement intéressant. Vraiment, pour être fashion jusqu'au bout, quoi. Avec le petit manteau, là, genre. Ah ouais. Et du coup, les paires, j'ai pas trop regardé. Les écharpes, les nouvelles écharpes que je ne peux pas mettre, que je vais changer de fin pour mettre l'écharpe. C'est pas golf. Ils sont chiants, on peut que mettre des écharpes avec certains types de vêtements, c'est quand même bien relou. Ouais. Je vais voir ce que j'ai fait, maintenant, peut-être. Un costume. Écharpe. Ah putain, on peut mettre des écharpes, ils sont relous. Inventaire, accessoire, tenue. On utilisera peut-être. Ah oui, peut-être que tout le monde l'aura. Ça peut pas non plus, mais c'est quoi cette blague là? Comment on a fait la mettre? Là, c'est quoi? Ah, ça y est. Je fais des écharpes. Ok, bah c'est juste des écharpes courtes, là. C'est pas trop mal. Bon, elles sont... Je vois un peu moche. Les montres. Bleu, iFruit. Ah, grosso modo, c'est des Apple Watch, quoi. C'est quand même des montres qui sont. Ah, celle-là est pas trop mal. On peut le faire, ça. Allez, les montres 3 000 $. Ouais, les liquides. Bon, il y a une montre qui est pas mal, mais sinon, elles sont moches. Il y en a un prêt qui est par contre de la même ça. Bon, il y en a qui est à 12 000, il y en a à 12 000. Globalement, elles sont aux alentours de. Putain. Elle a trouvé ton bonheur. Ouais, j'ai trouvé une montre pas mal stylée, assez stylée en carbone, en bref. Est-ce que je vais la mettre avec ma fille, je suis un petit peu naïf. Il y aura bien avec ma fille de voir. J'arrive, hein. Mon clavier voulait bien s'allumer. Bon, voilà, mon clavier n'a plus de batterie, parfait. Moi, je t'ai envoyé plein d'amis. Ouais, j'arrive. Non, vas-y. C'est bon. Le truc, bon, bah. Quelques montres sympas. Quelques, bon, après, ça dépend des couleurs. Hein. Bon, il y a quand même pas mal de nouveautés, ils en font quand même, c'est pas mal. Moi, je suis un peu hors de prix, mais c'est pas mal. Donc, mets-le en gros cylindré, je pense. Je pense que ça va être cette catégorie-là. Ouais. Tout gros cylindré, parce que ouais, ça doit être là-dedans, je pense, la voiture. Ça, tu pourras tester la coquette. Peut-être. Alors, j'espère qu'on va trouver. Ça, c'est l'ancienne de la seule mise à jour. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Nouvelle, c'est la coquette backfin. Ah, c'est bon, elle est juste après. Nickel. Je pense que c'est un véritable veau, mais. Ah, le poulet en plus, à l'arrière qui est vachement stylé.
Ah ouais, on va faire ça. Merde, j'ai pas mis en course GTA, excuse-moi. Ah mince. C'est pas grave, on va faire le tour comme ça avec le joystick, pas avec... Oh, elle est plutôt stylée, hein. Je la préfère à l'ancienne. Enfin, à l'autre qui ressemble vachement à celle-là, elle est plutôt pas mal. Ah ouais, c'est carrément stylé. Ah, tu t'es pas trompé de voiture, hein? Non, non. Non, regarde, je me souviens, attends, je vais m'arrêter. Elle est presque comme l'autre, en fait. Mais J'ai toutes les nouvelles de celles que j'avais. Alors, c'est celle-là, mais en fait, il y a deux nouvelles. Il y a à la fois la coquette et celle-là, tu vois. Et celle-là, c'est la Vapicino et le Felicino, sinon. Ça, je vais peut-être l'acheter, c'est dans l'état combien, je sais plus quoi. Ah, vous doit pas être trop cher, mon avis, pour verrer. Ouais. Ouais, par contre, j'en ai avec du mal à tourner. Ouais, une petite voiture de balade, comme ça, une grosse cylindrée. Bon, je sais pas la voiture la plus performante, loin de là. Elle est peut-être la moins rapide, mais elle est. Elle est stylée. Elle est jolie. Ouais. Pour les voitures, je sais pas si on va pas être comment dire, les voitures vont pas être super rapides. Hein. Ouais. Elle tient plutôt pas mal la route. Elle s'est conduite pépère avec ça, c'est pas mal. Et en freinage, qu'est-ce qu'elle veut? Attends. C'est à fond. Bon bah la mienne au freinage, elle est pas faite. Ouais. Bon, elle freine pas trop mal. Hein. Elle freine beaucoup mieux que le Raptruck ou le Raploader. Super freinage, qu'est-ce que ça donne? Si il est là. Ouais, non, je suis pas mal. Je crois que c'est la G, moi je vais me l'acheter parce qu'elle est bien. Ouais, te plaît, elle est pas mal. Hein. Ouais, elle a une espèce de truc bizarre, là, une espèce de courbe, là, une espèce de truc. Je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si tu sais ce que c'est, toi. À l'arrière? Ouais, c'est même pas, en fait, c'est même pas des arceaux parce que ça. La tête passe au-dessus, donc je sais pas ce que c'est bizarre. Bah, les pièges, non? Les pièges arrière? J'ai regardé, en fait, je me suis arrêté et apparemment, tu vois, t'as la tête qui. Ça, c'est peut-être les sièges arrière, non? Parce que c'est derrière, c'est sur la lunette arrière, t'as ta vitre. Ouais. On dirait qu'elle est déjà équipée de feu de xénon, cette voiture, c'est trop marrant. Ouais. C'est des phares blancs. C'est une bonne caisse. Ouais, elle est pas mal. Pas mal. Du coup, il y a plus de voitures qu'on a pu essayer. Ouais, je crois qu'on a tout essayé là. Pour toi, il te manque juste celle-là, mais ça risque d'être un peu long à uploader. Déjà, cette vidéo, elle fait déjà 1h30. Donc, je peux pas trop la faire plus longue. On va tester les armes dans la mission et après je vais couper la vidéo. Ah, d'accord. Ah, parce que tu prends en vidéo en plus? Ouais, je suis en vidéo là, je fais la découverte de la mise à jour en fait. Ah ouais. Même pas au courant. Ah, je pensais te l'avoir dit, mais je te l'ai peut-être dit quand t'as des échos. Wow, en mode libre alors? Ouais, mode libre. Attends, non, pas mode libre. Ouais. Si, bah si, t'as raison. Parce que le problème, c'est quand tu fais mode libre, on a des chances de retourner dans une session avec plein de mecs en fait. J'aurais dû faire recroix et ça, j'aurais peut-être plus de chances de venir dans ma session sur l'habitation. Enfin, voilà. C'est pas grave. On va faire une mission pour acheter une nouvelle arme. Ouais. Voyons, on rejoint vite. Et... Ah ouais, bah oui. Il y en a tous dans la même session, mais c'est nickel. Ah ouais, j'ai eu peur. Oh. Bah bon, normalement, des fois, on est même plus dans la même session, mais la peur. Ouais. Pas souvent. On va essayer de choisir une mission. Ça marche. Parce que là en fait, derrière, t'as combien en fait sur toi là en argent? J'ai un peu plus de 7 millions. 7 millions? Ouais. Oh là là. Je sais pas comment tu fais pour avoir tout cet argent là. Je fais beaucoup de missions. Oh, moi j'ai galéré. A few jobs have come up recently,
I'll text you the details. Ouais, 100 000. Ah, et surtout je dépense plus rien quoi, parce que j'essaie de, j'achète plus de voiture, je fais très, je fais plus de dépenses quoi. Ouais, c'est tu de... fais gaffe un peu. Ouais, je fais hyper gaffe. Ouais. Et pendant la plupart de mon augmentation sur GTA Online, j'étais en galère d'argent. Hein. C'est. Après, t'as pas peur qu'ils retirent les voitures, tu sais, genre. Tu retires les voitures et que là, au moment, tu es dégoûté parce que tu trouves que la voiture était pas mal. C'est-à-dire? Bah, tu sais, des fois, elle a des mises à jour où ils mettent des nouvelles voitures. Mais des fois, elle les enlève parce que la mise à jour est finie, je sais pas. Ah, mais non, ça, il y a peu de chance parce que c'est les voitures. Bah oui, comme la. Oui, les voitures. Enfin, celle qu'on pouvait avoir avant, qu'on pouvait plus avoir, c'est la. La Hot Knife, là, le Hot Rod, là, et la petite Chameleon, là. Et ça, en fait, c'est normal qu'ils nous les retiraient parce qu'il y avait un bug qui permettait de les avoir. Et normalement, c'était une voiture qui était réservée aux gens qui avaient acheté l'édition collector ou l'édition spéciale de GTA. Ah. Et ils avaient en plus, je crois, un fusil à pompe qui était. Bon, qui était pas terrible, quoi, mais un fusil à pompe en plus. Et le marteau, je crois. Ah, d'accord. Et maintenant, je veux dire, le bug pouvait être fait, quoi. Ils ont modifié 2-3 trucs et du coup, pour faire le bug. Voilà, récupérer, quoi. Mm. C'était pas mal. Bon, la Hot Knife n'était pas une voiture incroyable, d'ailleurs elle freinait super mal. Et elle tenait. Ouais. Elle tournait pas quoi. C'est vrai que c'était sympa, mais on voit pas du tout la Hot Knife. Hein. Il y a peu de gens qui ont. Je sais pas. Du coup, c'est pas, vu que c'est pas une super voiture, l'avoir dans son garage, c'est prendre de la place pour rien. Alors. Position 2, Lester, Volvo 1, 2 à 4 jours. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir le bazooka fait d'artifice. Alors moi non plus, c'est... Alors en fait tu l'as en fait depuis, parce qu'il y a une autre, la mise à jour précédente, là tu l'as vu dans la mise à jour précédente. Moi je déteste cette espèce de bazooka débile là et je peux pas m'en débarrasser. Et tant que c'est la mise à jour, tu peux pas t'en débarrasser. Et que le fil automatiquement en fait à chaque... je pense qu'ils fileront des munitions pour le 14 juillet aussi, mais l'équivalent de la fête nationale des États-Unis, la libération, je crois. Ah oui, c'est vrai. C'est le 14 juillet, donc ouais, à mon avis, ils l'ont remis. Ouais, je pensais ça. Et après, tu pourras t'en débarrasser ou le. Après, tu pourras plus l'acheter, quoi, je pense. Ouais, bah. Ouais. Bon, non, moi, c'est vrai que j'aime bien ce bazooka là, je m'éclate. Il est marrant, hein. tu peux me cramer des mecs avec, hein, si tu. Bah, je crois que même il y avait des petits fusées ou je sais pas quoi, là. Ah oui, pistolet en fusée là, ouais. Qu'on a eu pour la mise à jour des braquages. Non, Alors, c'est pas le pistolet fumé, tu sais, c'est un petit truc comme un CTA-téton, sauf qu'ils avaient des feux d'artifice aussi. On met ça au sol. Ah oui, les petits, oui, je sais, les trucs de fond. Oui, d'ailleurs, il y a un nouveau truc, je crois, j'avais vu ça dans le menu de Select. Si tu vas dans Inventaire et que tu vas dans. Ah ben non, ça t'est retiré. Il y avait un nouveau truc à la place des encas. C'était extrêmement énervant parce que du coup, moi j'avais l'habitude de. Faire en cas directeur et qu'il y avait un nouveau truc pour allumer les fontaines et tout ça. Et du coup, attends, ça veut dire, est-ce que j'ai toujours le. Du coup, non, je l'ai plus le lance-roquette. Parce qu'en fait, si tu l'achètes pas, en fait, pendant la mise à jour, il te file de ville gratuitement, mais dès que la mise à jour est finie, il t'enlève l'arme en fait. Alors. Bah, je crois que cette mission, on va pas trop pouvoir la faire avec le. Ah non, on va pas pouvoir la faire avec les armes parce qu'on va se faire défoncer. Je vais appeler. Je propose qu'on appelle tous les deux nos. C'est sur les toits, il y a deux buzzards à piquer. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. Quoi? Tu disais ton micro bugué ou parce que je t'entendais plus à un moment donné? Ah, il a peut-être bugué, ouais, parce que quand j'ai appelé Pegasus, je pense que ça coupe le micro. Ah, d'accord. Ah, tu vas prendre ton savage. Ouais. Je vais pas tester tes nouvelles armes. Ah, ouais, bah si, mais le problème c'est que là c'est une mission où. Où c'est loin. Ouais, ou tu sais, c'est sur les toits, donc si tu. Je vais quand même essayer. Ou alors ce que je vais faire, c'est que. Ce que je vais faire, c'est que je vais. Tu vas monter dans mon savage et après je vais te le laisser. En fait, tu vas pouvoir pilonner la zone et moi je vais. Allez. Le savage. L'hélico préféré tout le monde. Ouais. Enfin, il est surstylé quoi. Il est même mieux que le.
Et qui est mieux que le Hunter qui est dans les vieux GTA. Ouais. Ouais, il avait roté toutes les tirs à n'importe quel moment. Ouais. Et l'Hydra, en fait, tu peux tirer que deux roquettes, après t'as un long temps de rechargement comme sur le laser classique. Ouais, ça c'est con. C'est vraiment dommage. Tu l'as toi l'Hydra? Ouais, je l'ai acheté dernièrement, j'ai fait une vidéo, putain ça m'a fait mal au porte-monnaie. Hein. Mais 3 millions. Il est dément, hein. Il est vraiment dément. Toi je te le ferai essayer. J'ai vachement hésité avant de l'acheter au départ, je voulais vraiment pas l'acheter parce que c'était trop cher. Et je l'ai testé dans la course là, avec les Hydra, là où tu fais les trucs en avion en action. Et c'est vrai qu'il est cool. Quoi. Et du coup, j'ai eu le trophée, tu sais que t'as eu toi, je crois aussi, ou je sais plus qui avait eu. Tu sais que t'obtiens quand tu réussis, quand tu dépenses 1 million de dollars, ou je sais plus combien, ou 3 millions de dollars, ou je sais plus trop combien. Ah oui, ouais, c'est moi qui l'ai eu. Tu l'as eu aussi? Mais du coup, t'as acheté quoi toi pour débloquer ce trophée? Parce que t'as pas l'Hydra toi aussi? Non, moi j'ai pas l'Hydra, bah que j'ai acheté au moment de la Ouzirik. Ah ouais. Ouais. Après, moi, c'est sûr que t'achètes pas, j'achète toujours les voitures les plus chères. Ouais. C'est... Parce qu'apparemment, ils disent que Rockstar, ils ont l'air de dire que la P1 là, avec le pistolet avant qui sort, hein. Et vraiment, c'est vraiment une super bagnole. Apparemment, ce serait la meilleure des. Faut voir. Alors, après, quand quelqu'un l'achètera et qu'il l'améliore. Voilà. Attends, je vais laisser là. Ça va être une caisse. Voilà, j'ai tellement d'armes, moi. Ah c'est bon, c'est posé. Je vais appeler une autre caisse. Alors tu pas les mecs au niveau du sol, tu plutôt les mecs sur les toits. Comme ça je vais essayer de me les faire. Ouais, c'est la mission, c'est bon, ça y est, je me rappelle. Ça va même avoir des échos qui vont venir. Ouais. You through to your garage, you need me to bring you a ride? Alors, que je réfléchisse. Ma tornado, il faut ma lunette. Lunette. Ah, voilà. It's on the way. I'll get back to it then. Parfait. Nous avons été informés que votre véhicule était. Ah, oh, blablabla. Bah, t'es volé, je l'ai prêté, Pegasus. Voilà. Ah ouais, c'est normal, t'as disparu à chaque fois. Ouais, mais j'espère, parce que le problème c'est que maintenant quand tu piques, enfin quand t'as un véhicule Pegasus qui t'appartient pas, ils te disent Pegasus réclame ce véhicule. Et je sais pas si ça marche aussi, alors ouais. Donc le problème c'est juste que votre véhicule a été volé et tout. Ouais. Oh wow 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 wow. Attends, la vache, pour la vache, pour la vache. Merde. Ok, il est absolument génial. Ah, tu utilises des pistolets. T'es en train d'utiliser des pistolets. J'ai raté mon tir. J'ai le coin d'Amérique. Hein. Ah ouais, là ça va être un peu chaud avec le. J'ai raté mon tir, là, c'est pas possible. Ah. Ouf. Bon, on fait un regard de quand même pas y faire de là. Une ligne, toi que t'as tué tout le monde en bas, je viens te chercher. Ouais. C'est chaud. Voilà, bah déjà ton hélico. Les hélico, ça va, ils m'ont déjà fumé. Ah ouais? Ouais. Normalement, il n'y a plus de personne en haut. Si, encore un. Voilà.
plus personne en haut. Parfait, il y en a un petit cache. On a à côté de la petite baraque même. Ouais. Je pense que tu peux pilonner si tu peux, hein. S'il reste des mecs, tu les vois. Ah, tu les tues? Non, je me suis tué, mais. J'ai testé un peu J'ai testé un peu Il est pas mal, hein. Même à longue distance, il est plutôt efficace. Franchement. Ouais. Il est Oh, il est vraiment bestial, hein. Je surkiffe ce flingue. Salut. Oh, le gros, tu l'as cramé, c'est magnifique. Oh, un Meriwether qui crie comme une nana, c'est génial, regarde ça. C'est magnifique. C'est nouveau, ça. Il n'y a pas ça avant. Ah, c'est. J'ai tué. Ah, ouais, tu l'as tué, mais tu l'as cramé, quoi. Il a cramé comme un cochon. Je voyais pas cramer en fait, c'est pour ça. Désolé. Mais là aussi, je l'avais pas vu cramer en fait, c'est pour ça. Quand on a un autre au fond en fait là-bas. Ah ouais? On en a même trois. Oula, oula, oula. Ah, oula. Oui. Il bouge même pas, j'ai l'impression. Ma distance, il est efficace, le petit. Ouh! Joli! Ah, mais aussi. Ah, je vais. Là, je te vois pas de l'âme, mais tu l'as tué. Ah, je t'ai vu sauter, là, dans ma lunette de snipe, là. Ouais, je suis tombé sur un sale. Hein? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Bah, il a une échelle là où je suis, Destroyer. C'était juste à côté de toi. Maintenant, je crois qu'il y a du monde en plus dans les échelles. T'as une balle one shot. Je trouve que c'est chiant, c'est quand chaque fois qu'on commence une nouvelle mission, ils nous en enlèvent les masques et tout. Ah ouais, c'est très très chiant ça. Tu récupères l'hélico ou pas? Ah bah dès que tu peux, ouais ouais. Vas-y. Je sais pas trop où t'es là, je crois que t'es en train de monter. Ouais, là, je fais le ménage après des. Après des trucs, ah bah tiens, vas-y. Ok, bah je m'occupe de l'hélico alors. Je vais apporter la petite contribution. Wouhou! 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 Ils m'ont mitraillé les mecs, mais genre vénère. Il a mitraillé. Et ce qui est génial, c'est que les mitrailleuses, ça te mitraille genre, mais ça envoie le minigun, mais de tous les côtés quoi. Complètement overcheaté, c'est, ah c'est bon. Bizarre. Ah ouais, ouais. Tu sais, minigun normalement que t'as sur le bizarre, il peut tirer par une droite, là il tire dans tous les sens. Quoi. C'est absolument magnifique. Il en reste un qui me le fait. Ah, je l'ai eu, yes. Ah, il l'a eu. Ouais, ok. Tu viens de chercher ou pas, non? Non, t'inquiète, j'ai trouvé une échelle juste là. Alors, c'est ce qui est vachement bien avec ce petit pistolet, c'est qu'il a les mêmes types de chargeurs que l'autre, tu sais, le mousquet. Cowboy là. Ouais. Et du coup, t'as 4500 balles, c'est vache, ouais, c'est génial quoi. Tu peux tirer 4444 fois. Je sais pas, à mon avis, au max, tu peux avoir du 999, je pense. 9999. Ouais, moi, j'ai au max, moi, c'est 999. Quoi. En l'achetant, t'as genre 5000 balles et non, c'est vachement bien. Bah, au max, c'est pas comme les autres balles où tu gaspilles toutes tes balles pour faire. Ouais, ce qui est bien, c'est que tu peux courir avec. Ouais. C'est très très cool. Excellent. Tu vois, après on fait un petit affrontement contre toi et moi pour essayer de prendre l'américain, non? Ah, si tu veux, ouais. Ah, très bonne idée, ouais. Très bonne idée.
C'est vrai que le point américain, faudra le tester, quoi. Ah ouais. Faudra que je modifie mon affrontement sur les toits, là, et que je mette arme imposée, que je puisse que je le mets à jour, comme ça on pourra mettre le point, prendre le point américain, ça peut être sympa. Ouais. Et je pense que normalement on peut le. Parce que quand je fais cet affrontement-là, on peut toujours l'utiliser n'importe quand. Ça peut être pas mal le point américain dans la zone Franklin aussi. J'ai pas encore fait de vidéo là-dessus sur ce affrontement-là, ça serait pas mal. Ça va peut-être faire de la pub au mec qui fait ça. Enfin, je pense pas qu'il y en ait besoin, mais. Ça, c'est les gens envie d'essayer. Ouais, je sais pas. Je vais mettre le lien dans la description. Ah, par contre, t'as fini le jeu Death Island là, le jeu de zombie je l'ai fini en fait, il reste plus qu'une truc à faire. Mais j'essaie de gagner 2-3 trophées, tu vois, genre finir toutes les missions du jeu, parce qu'en fait quand tu l'as fini, il te propose de tirer de l'île, ouais. Quoi, tu vois, si tu tires de l'île, tu peux plus revenir dans le jeu, quoi, tu peux plus revenir. J'attends de terminer toutes les quêtes de tous les PNJ pour vraiment le. Ah ouais, c'est clair. Je me pose ou on a pas non, vas-y, tu peux y aller. Ok. On va voir si on a tout affrontement au point américain, ça va être sympa. Et après en off, quand j'aurai tourné la caméra, on fera les objectifs quotidiens, parce que ça rapporte 25 000 aussi, c'est très pratique. Il a mis à peine 2 balles, il est cool. Ah ouais, t'as vu, c'est ouf, hein. Et moi, le pire, c'est que j'ai tiré à travers la vitre, mais ça a quand même dégommé le... Ah ouais, quand même, on dit cette arme. Elle me plaît bien, hein. Je pense qu'elle fait bien, elle remplace bien le fusil à pompe d'assaut, hein. Ah bah, je vois ça. Je vois ça qu'elle te plaît bien. Tu connais toi un affrontement où on se bat avec des armes, armes quoi à corps? Ouais, c'est baston de zonzon ou je sais pas quoi là. Ah bah je te laisserai prendre. Ça marche, on fait mode libre. Mode libre. Alors je sais pas si je l'ai je crois savoir, ouais, non, ouais, on va essayer de se le faire. Mais je sais pas s'il y aura le coup de poing américain parce que si l'activité est pas mise à jour. Ouais. J'espère qu'on est toujours dans la même. Ouais, je crois que c'est bon. Allez. Nickel. Donc, on fait un petit peu l'harmonisation et on se fait notre affrontement au point. Ouais, allez. Enfin, ils ont tout oublié de mettre mon véhicule en roue là. Non, bon, c'est incroyable, je crois que c'est l'une des premières fois. Enfin, ils l'ont fait juste à côté. Merci Rockstar, je vous remercie pour votre gentillesse. Attends. Non, je crois qu'il y a une animation pas loin. Ah bah c'est bon, on a un avion de Zanka. Alors, si tu veux gagner de l'argent assez rapidement, essaye de faire les épreuves de l'école de pilotage. Vu que t'es quand même plutôt bon, ouais. Je pense que tu devrais les réussir assez facilement. Et ça rapporte curieusement beaucoup d'argent. Ouais, moi je crois que j'ai déjà fait, truc de pilote là. Ouais, ouais. Et ce qui est assez énervant, c'est que je les avais quasiment toutes réussies, tu vois, il m'en manquait plus qu'une à finir. Et je suis retourné récemment pour débloquer le t-shirt que j'ai là. J'étais obligé de tout recommencer. Ouais. D'une mise à jour à l'autre, en fait, ils te suppriment toutes les. Tu l'as pas réussi, tu l'as pas fini. Ils font tout recommencer, quoi. C'est pas grave. Oh non. Et là, c'est surtout la dernière, l'avant-dernière qui est chiante où tu dois. Récupérer tous les drapeaux là. Ah ouais, à mon avis. Ouais, ça doit être chiant. Je sais que j'avais réussi l'école de pilotage en or sur toutes les épreuves ensemble dans l'AS. Là, j'ai vraiment pas la foi de le faire sur. J'étais à 5 comme tout ça. Ça rapporte un peu d'argent, mais le temps que tu perds, tu pourras le faire à faire des missions. Il y a pas mal de véhicules tout de là. Plus d'armure. Ça, il va pas me racheter. C'est le cas, voilà. D'ailleurs, c'est le nouveau parachute. Pas de nouveau parachute. C'est ça. You've racked up some more ammunition rewards points. Non. Okay. Oh. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, le point américain. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, là. Pour tout dire, c'est. J'ai tapé une cellule, il y avait deux flics devant moi, je leur mets à peine un pain qui tombe tout de suite à terre, tu sais. Ah ouais?
son élan pourtant, hein. J'avais pas pris d'élan et tout, un pain, ils étaient tous les deux parfaits. Ah et là. Ah il fait mal là ce que je vois. Ah, vivement l'affrontement pour voir ça là. Ouais. On va se taper des barres. Alors attends, oui, ça te pose la question qu'il est dans la prison normalement. Mais la prison, je crois qu'elle n'apparaît que quand t'es à proximité d'un endroit. Je vais appeler un. Ça fait quoi sur un mec? Ouais, gars. Ah, sur les PNJ, tu leur mets un coup, ils sont ratés. Ouais. Je crois que normalement, même sur le point américain, tu peux leur foutre une patate et ils tombent à terre, je crois, ils meurent direct. Et du coup, le mec que t'as plus fort, ouais, je crois, essaye sans point américain, sans couteau, tu vois, arme, avec juste avec les points. Et dis-moi si. En vélan, hein, sans pas besoin de courir et tout. Ouais. Ouais, juste t'arrives derrière eux. D'accord. Attends, je vais essayer. La personne ne court pas. Ah ouais. Tu vois. Est-ce que quand tu les frappes, genre ils font un gros vol plané ou. Ah non. Non. Non, non, c'est avec le point américain, c'est vrai qu'ils sont volants, on va dire à peu près. Je vais faire avec le poids américain là, il. Là, t'as même plus l'impression que tu les frappes là, c'est carrément de la violence. Ouais. Bon, elle est plutôt cool cette mise à jour, hein. Franchement. Ouais. À part les vêtements. À part les vêtements qui sont. Moi je trouvais une montre super stylée, mais sinon. Là, c'est un peu amusé. Ouais. Après, je pense qu'il faut vraiment essayer de faire des affrontements cette semaine là pour gagner les doubles RP quoi. Ouais, bah c'est ce que j'ai à pas de faire en fait. Je rejoins pour des gens, essayer d'inviter, je rejoins et voilà. Bon, après, je sais pas s'il y a Écrabouilleur ou Asahi qui vont. Ouais. Connecter. Je crois qu'Écrabouilleur lui avec sa copine. Ouais. Ah ça y je sais pas, là je suis entendu parler pourtant sur Facebook qui répond pas. Ouais. Bah, une copine et GTA 5 c'est pas trop compatible hein. C'est un truc. Non, une copine bah ouais. Ah oui je sais, ouais non mais je sais. C'est ce que je dis. C'est juste que quand ça la copine d'Ekra quand elle est chez lui, il joue pas. Ah ouais, c'est normal. C'est la moindre des choses, t'imagines. Et toi, ça leur a rendu folle quoi. Que certaines filles sont au courant, bon, des non gameuses, hein. Filles qui ont un. Qui pensent que le jeu vidéo c'est le mal et tout ça, blablabla. Si tu. Ah, faut pouvoir des filles, si elle sait que tu préfères jouer à GTA 5 que passer du temps avec elle, c'est foutu quoi. C'est, c'est la mise à mort quoi. Qui quitte toi. Alors. Je suis arrivé à la prison. Que l'activité du coup est disponible. Voilà. Hop là. Alors, je crois que c'est ça. Centre de détention. Ah non, je. J'ai pas la. Parce qu'en fait, c'est une activité qu'il faut ajouter, je crois. Non, je l'ai pas dans la. J'ai pas dans le truc. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on a qu'à faire mon affrontement, mais si tu veux, juste au point américain, quoi. Et on fait ça genre 5 minutes. Ouais, bah vas-y, ouais, vas-y. Ah, ça, là, est-ce que tu peux mourir de ça? En plus, il y a double RP aussi, même les affrontements que tu crées toi-même. Son double RP, ouais. C'est bon ça.
Bon, je pourrais mieux mettre 5 minutes, hein, parce que déjà la vidéo est déjà très longue. Fait près de 2 heures, et surtout, bon, c'est un coup de poing américain, on va vite le tour, quoi. Parfaitement normal. Franchement, on y est pas prêt. Je crois que c'est tout bon. Bon, on se fait que au point américain, ça va être sympa, je pense. Ouais. Ah, j'ai du mal là, j'arrête pas de me faire percuter par. Quoi, par ta manette? Non, par électricité dans le jeu, dans les boîtes électriques, quoi. Ah ouais? Dans le jeu, c'est-à-dire? Je sais pas comment on appelle ça, c'est. Tu sais, les espèces de petites antennes qui sortent, qui attachent au câble et tout. Ah ouais! Ah, j'étais dessus, j'arrêtais pas de d'électricité. Ah ouais. Électrocuté, quoi. Ah ouais. Tu pouvais plus rien faire et tout, il fallait que tu fasses quelque chose. Ah ouais. On va partir, on va voir ce que ça donne. Ah, ce petit affrontement là. Je pense qu'il y a sûrement des affrontements, parce que tu sais, Rockstar, avec ses nouvelles divisions, ils font des affrontements spéciaux pour les véhicules. Et d'en avoir un sympa pour le coup de poing américain. Mais là, pour le trouver, ça prendra 3 points. Voilà. D'ailleurs, je trouve que le poing américain est beaucoup plus stylé que ce qu'il montrait dans la vidéo, il montrait une espèce de point américain avec marqué 5-5-5-5-5 sur les 4 doigts. Et là, je trouve que celui-là est plutôt pas mal parce qu'il est sans. Bah là, on peut pas voir ça, quoi. Ouais. Et on va aller voir ça. Ouh, il est bestial. Il fait un bruit génial. Il fait un bruit de. Oh, c'est top. Ah, j'ai entendu. Ting, ting, ting. Tu vois, c'est absolument génial. Et je suis juste 2 coups pour buter le gars. Ouais. Ah, par contre, je vais te laisser un petit peu taper pour voir. Ouais. Allez. Alors, je sais pas si on entend le bruit aussi quand on se fait taper ou alors quand on tape, je sais pas. Ça fait un espèce de... j'entends le bruit quand on se tape dessus. Ah oui, c'est ça. Oui, le bruit pareil. Ah oui, c'est ça. La vache, il est bestial. Hein. Oh vache. Ah putain, je te mets juste à peine 2 coups des démos. Ouais. Attends, je vais voir, je vais essayer en contre. Ah, en contre ? Je vais essayer en contre pour voir ce que t'as fait. Vas-y, ouais. Je vais essayer de mettre un coup. Vas-y, un coup, je contre et vas-y. Vas-y. Ah, voilà. Mais il est quand même rapide, parce que même en contre, tu peux dégommer le mec. C'est pas mal. Ah. Attends, on va réessayer. Si tu fais le tour taper, t'essayes de contrer. Ouais. T'es prêt ? Vas-y. Ah, parce que t'avais la testosterone de Bouchard, je pense, c'est bon ça. Je crois que je peux pas m'en aller avec ça. Je vais essayer, vas-y, essaye pour moi. Essaye de me frapper, je vais voir ça. Okay. Oh. Tape avec le pied ce con là. Mais non, mais arrête de taper avec le pied, putain, mais c'est pas vrai. Ah, oh, c'est chiant, il a tapé avec le pied. Ouais, quand en fait le perso est à terre, il tape pas avec les mains. En fait. Ah ouais, mais c'est dommage que sur je suis plus sûr quel GTA, il tapait avec le. Il tapait avec les poings parce que du coup, effectivement, ils ont pas. Ça paraît plus logique, hein. Mais Ouais. Ah oui, tu peux faire du one shot, hein, c'est dingue ça. Là tu m'as mis à peine un coup, je suis déjà mort. Attends, mais c'est une arme géniale ça. Ah bah voilà, ouais, pour les affrontements à main nue, vas-y, y'a pas de problème. Non mais non. C'est dément comme truc. Là tu peux. Hey. Oh là là, c'est pas cette arme. Trop violent. Putain mais c'est fou. Tu fais du one shot avec un point américain quoi, t'imagines un peu le truc? Oh mon dieu! Putain, mais il devrait être illégal cette arme là, c'est n'importe quoi! C'est... Ah ouais, mais là c'est plus possible, t'as même plus besoin de flingue là! Juste un point américain c'est bon! Oh là là! Oh le truc! Et surtout, imagine. C'est que la toque, hein. Ah ouais, imagine tu l'achètes pas, tu passes à côté d'un truc de fou quoi! Ouais, c'est un point américain, ça sera comme les points, mais pas du tout. Tu te dis que t'es dégoûté. C'est le truc, c'est une arme méchante, quoi. Mais regarde ce que. C'est des morts. Il est déjà KO. Ah mon dieu, mais c'est quoi cette arme? Ah bon, heureusement que je l'ai acheté comme ça dans les affrontements de main nue. Ah, ça, je pense que tout le monde va l'acheter, hein, cette arme-là. Elle est ouf. Elle est vraiment incroyable. Ah ouais, bah oui, je vois ça, oui.
Et c'est bizarre parce que là. Ah, une tête du. Là, franchement, j'ai même pas la moitié de mes vies là. C'est ça qui est bizarre. C'est bizarre que tu m'aies pas eu. Parce que. Ah ouais. Je vais me remettre de la vie. Attends. Mais il met un peu d'un coup, j'y crois. Ah. Extrêmement bizarre. Quoi? Franchement, eh. Il est même plus marrant que l'hydra, je trouve, ce point américain. Ah ouais, mais là, non. Il est abusé. Mais t'arrêtes pas de me faire des one-shots, là, c'est plus possible. Ah, ça te fait rage les gars avec ça. Oh, il a compris. Pas mal, ah ouais. Trop, là, si on m'avait dit que j'allais me marrer autant dans un affrontement avec un point américain... Il est sûr. Je sais pas si c'est un vrai coup de poing américain pour faire ça, mais je pense que. Oh génial, on est morts tous les deux. Oh magnifique, couché à terre tous les deux. Je sais pas comment t'en faire feu à voler, mais ça c'est bon toi. Ouh. Coup du lapin là, fatal. Ah ouais, en même temps j'étais derrière. Oh, j'ai à peine le temps. C'est ça, parce qu'il est tellement rapide ce point que tu peux. Je sais pas, j'avoue que tu peux même pas contrer quoi. Ah non. Toute la puissance est sur le point ouais. Droit. Ouh. Oh, bon, dernier moment. Oh, c'est pas mal hein. Ah bah, il était pas mal. Franchement, je trouve que c'est là. Il faudrait faire un affrontement avec tous les autres. Ah ouais. Franchement, je sais même pas quelle arme je préfère entre le point américain ou le nouveau pistolet, parce qu'il est vraiment ouf ce point là. Ah ouais, là oui, c'est un truc de... Après je pense qu'il vaut son prix en fait, hein, parce que il est vraiment dément. Là faudra faire ça avec tout le monde. Ah ouais. Bon bah nous on va se retaper le mode libre, je vais découvrir la vidéo, ouais. Ça va être l'enfer à uploader quoi, 2h02 de vidéo quoi. Moi je dis en plus ça va être l'enfer, bon c'est pas grave, j'essaierai de l'uploader la nuit. Allez. Je vais me mettre avec toi pour les petits au revoir. Attends, ce qui est passé ici. Alors, attends, je vais vite faire mon argent avec quand même. Donc, tu sais quoi, on fera ça plus tard. Alors, voilà, on se met à côté de ta magnifique. Elle est... Oh, on voit les belles avec ses jambes chromées là. Ah, j'y fais, moi, les jambes chromées, moi j'adore. Franchement, la plus belle, franchement, là, je suis pas mécontent d'avoir acheté la Wayra aussi. Parce que là, l'autre, t'as la boîte vers le long qui bouge. Celle-là est quand même plus belle. Hein. Tu l'as tuné avec les bancs, les petites extensions. Ah, hein, en rose et tout, moi j'ai trouvé ça stylé. Voilà, donc on se dit à la prochaine, amis gamers et gameuses. Hein. Et ciao pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.